tonight. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you?
Bonsoir, bienvenue à cette semaine de la LCE. Nous allons commencer avec du Overwatch aujourd'hui. Je m'appelle Kujibo, je serai votre animateur pour la soirée et j'ai avec moi sur le banc de l'analyste mon bon ami Soussou. Comment vas-tu ce soir? Ça va très bien, Kujibo. Je suis prêt pour le beau jeu. Je suis prêt, j'ai hâte. Donc, ça va particulièrement bien ce soir. Et toi, mon cher? Ah, ça va très, très bien. Je suis en forme ce soir. Je tiens à dire que demain, c'est mon anniversaire. Donc, je suis hype, prêt à tout. J'espère que let's les go. Joueurs vont me donner du beau jeu. PogChamp, let's go. Alors, nous avons ce soir les capitaines de Matane qui vont affronter les Lynx de Montmorency. Donc, un gros match ce soir parce que il s'agit là des deux plus grandes équipes, ou du moins les deux meilleures équipes que nous avons en ce moment. Donc, les deux équipes qui n'ont pas été défaites jusqu'à maintenant. Donc, les deux qui sont encore avec une fiche parfaite jusqu'à maintenant. Oh là là! On va avoir un gros match sans aucun doute ce soir. Donc, le draft est commencé, je crois. Que j'ai un nouveau lien, voilà, qui s'ouvre sous mes yeux. Ça ne devrait pas être très long. On va avoir le draft des maps qui va commencer bientôt. Donc, Kujibo, je voudrais aussi ajouter avant, pour que peut-être le monde dans la foule, dans l'assistance, ne soit pas trop mélangé, Ash ne sera pas joué dans les matchs ce soir. Donc, le nouveau personnage qui, à mon avis, super swag, ne sera pas joué. Donc, n'attendez-vous pas à des match-ups de match. De Ash. Ça ne se passera pas ce soir. Au Québec, c'est. Oui, malheureusement. Donc, c'est là-dessus que je m'en allais après. Donc, Ash qui est sorti hier, donc mardi. Mais qui n'est pas disponible, ou du moins qui n'est pas considéré comme étant disponible dans les règles compétitives de tournoi. Donc, nous aurons Ash dans deux semaines qui sera disponible. D'ici là, ben, on attend, puis on étudie Ash qui va se développer au niveau du méta. Donc, on a sous nos yeux le draft qui est commencé. Pour l'instant, on a Oasis de Ban du côté des capitaines. Et c'est les Lynx qui font leur choix actuellement. Donc, moi, j'ai très hâte de voir, tout le temps hâte de voir sur quelle carte on va jouer pour commencer. C'est tout le temps intéressant de voir quel style de jeu priorise les différentes équipes. Ouais, ça aussi qui est le fun, justement, parce que ça devient vraiment. Chaque équipe a vraiment, on dirait, une map qui est importante. Donc, est-ce qu'elle va réussir à rester jusqu'à la fin ou va être bannie dès le début? Donc après, tu vois vraiment les zones de confort dans le banning pick. Puis des fois, ça, c'est vraiment une grosse différence entre un win puis un loss. T'es vraiment là sur une map. Là. C'est vraiment intéressant. Effectivement. Donc, je sais pas si j'ai l'information juste. J'ai vu dans le chat du stream comme quoi les capitaines ont un win, un lose. Que je crois qu'il n'a pas été updaté peut-être sur le site de tournament. Puisque sur le site de tournament, les capitaines ont une seule victoire et aucune défaite. Mais en tout cas, peu importe. Mais si c'est ça, on le sait maintenant, on peut advertise avec Dezo RL, moi j'ai bien confiance, ouais. Que c'est la vérité. Absolument. Donc, on aurait une possibilité d'une équipe invaincue contre une équipe qui est presque invaincue, mettons. On va dire ça de même. Mm-hmm. Mais du côté des cégeps, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait deux semaines. Okay. Et la semaine passée, j'ai les résultats des matchs de la semaine passée pour ceux qui ça intéresse. Donc, on avait les Lynx, justement, qui ont gagné 2-0 contre le Cégep de Jonquière. Mm-hmm. Et le Cégep de la Pocatière qui a gagné par la suite 2-0 contre la deuxième équipe du Cégep de Jonquière. Donc, le Cégep de Jonquière qui n'a pas la vie facile pour l'instant. On a des match-ups pas faciles jusqu'à maintenant. Pas facile. Et donc, si on jette un coup d'œil au draft actuellement, on a donc les cartes qui ont été considérées être bannées. Donc, on a retiré Gibraltar et Horizon Lunar Colony, ainsi que Noombani du côté des capitaines, alors que du côté des Lynx, on retire Temple of Anubis, Hollywood, Anamura et Volskaya Industries. Donc, les double capture points qui sont la pas cible. Pas très populaire. Qui sont la cible des bans actuellement. Donc, il reste uniquement des controls et des hybrides sur le board en ce moment. Moi, j'aimerais ça voir une game sur Ilios. Je dis ça comme ça. Ilios?
Ilias, c'est cool. Ilias, ça donnerait toujours des bons match-up. Il y a toujours de quoi de vraiment intéressant sur Ilias. Puis c'est comme une des rares maps que Lucio il peut shine énormément, faire un gros poids pour son équipe en étant le gros healer, puis lui qui fait le plus de kills. Donc, ouais, Ilias, je serais vraiment, vraiment down. Sinon, une map que j'aurais aimé voir, ça aurait été Numbani, mais non. Non, ce ne sera pas Numbani. Non, Numbani qui a été retiré plus tôt dans le draft. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Ilios, c'est la variété entre les différentes cartes. Donc, on a Ruine, qui est une carte très, très ouverte, très longue, qui permet, entre autres, Widowmaker de faire des gros plays. Alors que à l'inverse, on a Well et Lighthouse, qui sont très, très, très petits. Donc, eux autres permettent, au contraire, d'avoir des Reaper, des May, des trucs comme ça qui vont shiner. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est vraiment intéressant de la variété de cette map-là. Puis que le pool de champions est vraiment varié sur cette map-là. Tous les champions ont leur place d'une certaine manière. C'est ça qui est vraiment cool. Et donc, nous allons commencer sur King's Row. Et par la suite, nous devrions avoir Li Jiang. Et finalement, en cas d'égalité, nous irons sur Eichenwald. Ça risque d'être le plan de la soirée pour l'instant. Le match va pouvoir commencer sous peu. On rappelle, on a donc les capitaines de Matane qui vont affronter les Lynx de Montmorency. Je vais en profiter pour parler des joueurs. Donc, du côté des capitaines, on a Alma Prime, Killarius, Tempo, Nico. Avec des chiffres après, on va skipper les chiffres. Nikos, pardon, il y a un S. Shibi Buster, Dezia. Alors que du côté des Lynx, nous avons Linku, Mr. Gab, SSKS, Enox, Crimson Knight et Tommy Wow qui vont s'affronter. J'ai une question, est-ce que c'est Mr. Gab ou c'est Monsieur Gab? Il va falloir que je revérifie mes abréviations, mais si je me rappelle bien, MR c'est Mr. Ah, c'est vrai, ça a été M.Gab, t'as raison. Ouais, mais ça. Finalement, son nom. Pas ça. En tout cas, peu importe. C'est peut-être MRGAB. Peut-être. C'est peut-être ça. On va cacher le chat. D'un coup, qu'il y a des gens qui m'écrivent des insanités. Ça peut arriver, on sait jamais. Mm-hmm. Ouais, donc. C'est Monsieur Gab. Ouais, Monsieur Gab. Merci. Moi, ça va être Monsieur Gab. Moi, ça va être Monsieur Gab. C'est bon. Allez, go! Vas-y. Donc, nous avons, je rappelle, donc les capitaines en bleu et les lynx en rouge. Nous commencerons sur King's Row dans un seul petit instant. Ça ne devrait pas être très long. Restez à l'écoute. On va avoir, donc on a deux matchs d'Overwatch ce soir. On a justement les capitaines contre les lynx. Et par la suite, un deuxième match à vous présenter un petit peu plus tard. Restez à l'antenne après ce match-ci. Donc, on attend tout simplement le ready du côté des équipes, juste pour être sûr. Puis après ça, on va pouvoir commencer la première partie de la soirée. Ouais, non, ça va être vraiment, vraiment cool. C'est une bonne map pour starter la soirée, le King's Row. C'est vraiment une belle map pour partir le momentum, partir la machine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le premier point, comment les gens vont se le disputer. Oui, le premier point qui peut être très difficile à défendre, dépendamment comment la défense s'organise. Donc, c'est très fréquent qu'on voit des compositions très solides. Donc, par exemple, avec trois tanks, trois supports, tout simplement rusher sur le point. Et à ce moment-là, ça vient difficile pour une défense de s'organiser autour de ça. Mais on va voir comment ça va se passer. Ça vient difficile pour une défense de s'organiser autour de ça. Mais on va voir comment ça va se passer. Donc, on rappelle, du côté bleu, on a les capitaines de Matane, alors que du côté rouge, on a les Lynx de Montmorency. Donc, l'attaque va pouvoir commencer dans une trentaine de secondes. Je vais juste être sûr que j'ai pas mélangé. Non, c'est bon. Donc, les Montmorency en rouge, avec Monsieur Gab qui est du côté de Montmorency, justement. Et tandis qu'on a les capitaines du côté bleu, avec Alma Prime qui va guider son équipe vers la victoire. Donc, l'équipe en attaque doit sortir de la cathédrale ici, traverser la rue et passer le premier point de défense ici, la petite arche, l'entrée vers la plaza. Et on doit venir se positionner sur le point ici
pour pouvoir débloquer le payload par la suite. Donc, on a une belle défense qui s'organise pour l'instant du côté des capitaines. Donc, on sort un beau petit pic que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Et là, on a Ash actuellement dans la game. Donc, peut-être message à l'arbitre de mentionner de ne pas utiliser Ash. Je sais pas si le message peut être transmis. Entre-temps, on va juste... voilà, ok. Le changement a été fait. Merveilleux. Merci. Donc voilà, du côté de l'attaque, on y va avec Ana Zen. Widowmaker sur le premier point qui est toujours très, très, très utile. Et le point de vue ici du Reinhardt qui va organiser l'attaque du côté de ses alliés. On a un Genji qui est passé très, très rapidement. Tommy Wu. Et voilà, premier kill. Mr. Gab sur Killarius. Premier kill réalisé par les Lynx. Oh, le beau flashbang ici sur le Reinhardt. On va le forcer à utiliser la charge ici. On va aller chercher Orisa d'un seul coup. Et voilà, l'élimination est réalisée. Tommy 2 sur Nico par la suite. Nikos, pardon. Et voilà, c'est les capitaines qui vont tomber. Killarius, le dernier de son équipe, va être obligé d'attendre le retour de ses alliés. Mais c'est une capture très, très, très rapide de la part et le positionnement de la Widowmaker était vraiment dangereux. On peut absolument pas la s'y rendre, mais elle pouvait déranger l'autre équipe. Gros travail du côté du DPS. Et justement, encore une fois, la Widowmaker... Ouf, 14 de vie, très 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 bas. Donc Widowmaker qui a utilisé une position très alliée, le spawn point, avec une possibilité d'avoir quelques pics. On est allé chercher du beau dommage sur le Winston de Dezia. Oh, et justement, Chibi Buster qui va tomber ici au tir de SSKS avec sa Widowmaker. Ici, Enoch, 100% d'énergie, du gros dommage qui sort de la part des arrières. Ici, on va aller chercher le Reinhardt. Oh, le beau sleep de la part de Nikos. On va être réveillé par contre. Et voilà, on progresse encore une fois à Montmorency. Très agressif ici. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher Dezia? On va plutôt choisir de récupérer le payload. On retourne vers l'arrière. Et on a beaucoup d'ultimates ici. 3, bientôt 4 du côté de Montmorency. Un seul du côté des capitaines. Donc Killarius qui va être prêt à utiliser la coalescence de Moira pour donner peut-être un petit avantage à son équipe. Ici Tempo qui est très très loin devant pour son équipe. On n'a pas nécessairement le backup derrière nous pour nous aider. Dragonblade qui est lancé. On va aller chercher instantanément Ama Prime. Nikos également. Et voilà, justement, les capitaines qui vont tomber, le Graviton qui a fait du gros travail. On a deux ultimates qui ont été utilisés. Et Chibi Buster ici qui doit se replier. On veut pas se faire pick-up à ce moment-ci du match. Ça serait dévastateur pour son équipe. Et Tommy Ok, les noms ont été replacés. That's it. Donc Tommy Wu qui était très agressif ici sur le high ground. Et on va être délogé ici par Dezia. Perd beaucoup de vie, mais c'est plutôt l'inverse. Tommy Wu avec l'aide de son Zenyatta, de Mr. Gab, Monsieur Gab, qui est allé chercher du gros travail ici. Et on se retrouve face à face avec Chibi Buster. Et on va être agressif ici sur Nikos, la Ana qui va tomber. Transcendance qui est utilisée pour canceller la coalescence. Tommy Wu qui fait de l'énorme travail avec son Genji. On va aller terminer Chibi Buster avec Crimson Knight. Et voilà, on avance. On est très très près du point final. Encore une fois, Tommy Wu très agressif avec son Genji. On va aller chercher un autre kill sur Tempo. Et par la suite, sur Ama Prime. Et ce ne sera même pas nécessaire. On va aller porter le payload, tout simplement. Mr. Gab qui a hard carry avec le Zenyatta dans le backline. Bien joué. On a réussi à sauvegarder toute son équipe pendant la coalescence. Incroyable, incroyable jeu du côté du support. Moi, je trouve ça assez fascinant. Justement, quand on a eu un petit affrontement entre Tommy Wu et Dezia sur le high ground, donc entre le Genji et le Winston, habituellement, on s'attend à ce que 90% du temps, le Winston remporte l'affrontement. Mais à ce moment-là, on avait l'assistance de Monsieur Gab, donc on avait l'orbe de guérison sur le Genji et le Discord Orb qui était présent sur Dezia. Donc, à ce moment-là, on avait absolument l'avantage. Le Genji qui a remporté son combat sur le high ground et qui a permis par la suite d'avoir une influence certaine sur le déroulement par la suite. Wow! Le vocabulaire du casting à Overwatch, très recherché, la fine pointe du français ici. Là. Mais faut travailler un petit peu le vocabulaire. Le dialogue. Le dialogue. Seulement, la conversation.
Donc, on va avoir en défense, on conserve relativement la même composition. En fait, c'est... Ah non, c'est pas tout à fait la même composition. Donc, on échange ici Tomiwoo qui va aller sur Hanzo plutôt que Genji. Et SSKS qui va être sur la Widowmaker encore une fois. Donc, on s'attend... On va garder un petit peu Widowmaker pour l'instant, voir les picks possibles. Et voilà. Oh là là! Oh, ça va être bien fait. Oh, et voilà! C'est SSKS avec Tomiwoo qui vont aller chercher le pick sur Nikos. Et donc la défense qui est bien organisée ici. On défend à l'arche. Le gros headshot ici sur Tempo. Du gros dommage de la part de SSKS. Flying shot. On va être... Ouh! Et c'est Nikos qui va répliquer avec sa Widowmaker de son côté. Et on va chercher ici. Oh, très bon avis. On va être forcé de reculer. On va aller voir un petit peu le point de vue de Monsieur Gab. Le Zenyatta du côté des Lynx. Qui semble faire énormément de travail. Donc bien réalisé. On utilise le right click bien utilisé de la part du Zenyatta ici pour rendre la Widowmaker un petit peu plus stressée de son perchoir. Et voilà la charge ici de la part de Tempo. On a perdu Alma Prime dans le processus par contre. Ici on progresse. Nano Boost qui est utilisé sur Crimson Knight. On poursuit l'équipe adverse mais on s'est bien dispersé de la part des capitaines. Mais Tempo ici qui va recevoir les coups de marteau derrière le visage va être éliminé. On perd Tomiwoo. Par contre, du côté des Lynx, mais on va quand même réussir à réaliser cette défense. Ici, on a quelques petits points de capture pour les capitaines, mais ça ne sera pas suffisant pour réaliser quoi que ce soit. Ouais, donc on a une solide défense. On aurait pu croire peut-être à un gain d'un petit peu de temps sur le point, mais non. Donc, on a très bien défendu, on était efficace. Le kill feed était pas mal rouge pendant cette fête-là. Le seul kill qui a été réalisé a été sur Tomiwoo de la part de Tempo. Mais pour l'instant, Crimson Knight qui garde le bouclier bien levé, SSKS, qui va aller chercher un kill important ici sur Chibi Buster. Et Nikos toujours bien placé. On cherche à utiliser le long range pour éliminer les supports possiblement. Et voilà, le Graviton qui est utilisé sur... Oh, la Pokéball! Oh, Tomiwoo avec non. Le quad kill! Oh, c'est bien fait! Ce n'était pas gentil. Une belle composition d'ultimate qui a été utilisée ici. Donc, Enox qui en a perdu sa vie, mais réussit à placer le Graviton avant même de tomber. Et on réussit, encore une fois, une belle défense de la part des Lynx. Tempo très, très, très agressif. Utilise la charge pour... pour progresser rapidement vers l'équipe adverse. SSKS qui va aller chercher Nikos encore une fois. Donc on est à 6 contre 5 pour l'instant. Est-ce qu'on va choisir d'avancer? Je crois que oui, ou du moins on essaie d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Gros shatter de la part. Et Linku qui va aller chercher un double kill. Tomiwoo pour la suite. Et c'est Crimson Knight. C'est lui à 100% qui vient de réaliser ce play. Gros shatter. Donc on a tout simplement fait le tour de la statue, on a attaqué les capitaines d'un angle duquel on ne s'attendait pas. Et voilà, le reste de l'histoire s'est écrit d'elle-même. Et donc, il ne reste que 60 secondes pour réaliser la capture de ce premier point. SSKS toujours très agressif avec sa Widowmaker. On réussit à aller chercher plein de picks. Et voilà, c'est Nox qui part le Dragon Blade. Plutôt le Dragon de Tomiwoo. Et Transcendance qui est utilisé, Shatter. On est recherché que Crimson Knight qui réussit à se relever en temps. Et voilà la belle charge ici sur Chibi Buster. Killarius qui va tomber également à Crimson Knight. Et finalement Enox qui va tomber. C'est Dezia qui joue Zarya du côté des capitaines, pardon. Qui va tomber également. Une très belle élimination ici de la part de Crimson Knight. Monsieur Gab qui est maintenant sur Brigitte. Donc on a fait des petits changements. Mais on a utilisé tout ce qu'on avait du côté des capitaines. Et on va être forcé. On la charge ici. On est parti en grand. Le gros sleeve sur Tempo. Graviton également. Nano Boost sur Crimson Knight. On balance tout ce qu'on peut. Le dragon en même temps. Et voilà, c'est réalisé. L'overtime découle. Et c'est tout. Une victoire assez frappante pour les Lynx. Donc pour les rouges, on a dominé totalement en offense. On était sur l'autoroute et rendu à la défense. On n'a pas été capable de capturer une partie du point. Donc, domination totale. Et les ultimates, le timing, c'était excellent. Wow. Et malgré le Earth Shatter de la part de Tempo,
sur ce play of the game. On a réussi une élimination complète de l'équipe en utilisant le Dragon Strike en plein milieu de la du Graviton. Donc, malgré le fait que l'équipe a tombé, était prêt à relever tout le monde. Wow! Quelle synergie! C'en est émouvant. Donc, gros match. Gros match. Gros match. Puis sur la deuxième map, ça, on s'en va sur... quelle map qu'on s'en va? Ça va sur Ilios, peux-tu? C'était Li Jiang, si je ne m'abuse. En fait, je suis pas sûr que c'est Li Jiang. All right. Ou à quelle map? Donc, en tout cas. On verra. Est-ce que je veux dire que si on, arrive sur un capture de pointe ou à King of the Hill, on va voir justement des nouveaux stars, je pense, qu'il va y avoir d'autres sortes de plays. Là. C'est plus qu'escort un payload et tout. Donc j'ai hâte de voir comment ça va pop-off dans le prochain match-up. Absolument. Toujours intéressant à suivre les controls. Malheureusement, je crois que c'est Akinval la prochaine map. Mais tout ça pour dire que les Lynx ont utilisé fortement la synergie entre leurs personnages. Donc, on a vu l'utilisation justement du Graviton à plusieurs reprises. Dans la première partie de la carte où les Lynx étaient en attaque, on a vu Graviton Dragonblade utilisé. Par la suite, ça a été du Graviton Dragon Strike qui était assez intense. mais alors que du côté des capitaines, on n'a jamais réussi à bien coordonner nos ultimates de cette façon-là. Donc, ou du moins, on avait la transcendance du côté de Monsieur Gab pour rattraper le tout. Mais définitivement, les Lynx qui étaient peut-être en meilleure coordination. Définitivement, on a un travail d'équipe impeccable sur la défensive, sur l'offensive et la défensive. Donc, c'était vraiment assez intéressant que les ultimates, les Zenata étaient toujours prêts pour contrer la Pokéball. De ce côté des supports, on a réussi à tout mixer à chaque fois pour que ça fonctionne. En attaque, coordination des ults, toujours autour de Reinhardt ou de Zarya. Donc, on a vraiment bien joué du côté justement des Lynx. Donc là, du côté des capitaines, est-ce qu'on va être capable d'avoir une meilleure cohésion au sein de notre équipe pour avoir un résultat similaire justement à son adversaire? J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Définitivement, du côté des capitaines, on doit se recentrer, se concentrer un petit peu sur ce qu'on a à faire, puis l'exécuter par la suite. Donc, tout simplement, on a justement prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé, réaliser, définitivement les Gravitons qui ont été le point fort du côté des Lynx. Donc, peut-être jouer un petit peu plus séparé, donc de ne pas coller autant le Reinhardt. Comme on l'a fait dans le dernier match. Ça va prendre une adaptation du côté des capitaines, définitivement, avant le prochain match. Non, mais c'est ça. Ça va être aussi de comme savoir s'adapter, quoi faire, mais aussi dans notre exécution, il va falloir qu'on fasse attention. Parce que leurs adversaires, ce sont là, semblent pas être là pour laisser des chances. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ah non, ça c'est sûr à 100%. Les Lynx sont là pour gagner. Donc... je lis vaguement le chat un petit peu du coin de l'œil. Monsieur Gab est vénéré. Ouais, définitivement. Donc, Monsieur Gab, moi, ça me tente d'aller voir son profil. Il est privé, mais c'est pas ton ami. Ah, j'ai essayé. J'étais l'espion, là. Mais non, je suis pas son ami. Ah, bon. En tout cas. Mais donc, le prochain match qui va commencer sous peu. Donc, les Lynx du côté rouge, les capitaines du côté bleu. Donc, on rappelle les capitaines du cégep de Matane et les Lynx du cégep Édouard Montpetit. Nous serons sur Eichenwald, la carte allemande, qui s'agit également d'un hybride. Donc, l'équipe en attaque qui doit sortir de la taverne. Je vais m'y rendre, ne vous inquiétez pas. Donc, on sort de la taverne ici et on doit traverser ici le petit village pour se rendre jusqu'au point qui est de l'autre côté de la tour. Et la défense qui est généralement réalisée se déroule sous l'arche ici. Donc, on a souvent un setup qui s'installe dans cette région-là pour protéger le passage de l'arche. Chose à noter de façon intéressante. La carte a été modifiée un petit peu. Donc, initialement, il n'y avait que cette ouverture pour rentrer
dans la cour intérieure. Alors que maintenant, on a rajouté une entrée ici, une petite porte qui donne accès à l'intérieur ici. Donc, on a un deuxième point d'accès qui peut facilement être défendu de la même position. Donc, on a simplement à se placer dans la région ici. Puis, on peut défendre les deux portes facilement. Alors, du côté de l'attaque, nous avons Alma Prime qui sort le McCree encore une fois. Killarius sur Moira. Tempo sur Reinhardt. Nikos sur Anna. Shibibuster sur Hanzo. Et Dezia qui va présenter le Roadhog. Alors que du côté de l'attaque, nous avons Linku sur le Lucio qui va utiliser le Speed Boost pour déplacer son équipe rapidement. Monsieur Gab maintenant sur Anna. Oh, le gros pic, le premier pic sur Linku qui était un centimètre devant son Reinhardt, a reçu un hook en pleine poire. Va être éliminé excessivement rapidement. Odesia ici qui fait du gros travail pour son équipe. On est allé chercher SSKS également. C'est peut-être ça dont on avait besoin ici. Crimson Knight qui va tomber également. Bon sang. Alma Prime et Desia qui font de l'énorme travail pour les capitaines. C'est peut-être ça qu'on avait besoin. On avait besoin d'aller à la pêche, je crois, du côté des capitaines avec Desia qui, jusqu'à maintenant, est à 100% d'accuracy, je crois, avec son hook. Oh. Et au moment où je dis ça, on hook le mur. Voilà, c'est parti. On avance. Earthshatter de la part de Tempo. C'est bien fait. Les kills qui s'échangent d'un côté et de l'autre. Desia, dernier de son équipe, va être éliminé à l'instant. C'est bien réalisé de la part des Lynx. On a sorti le Doomfist ici pour aller déloger la défense complètement. Donc, une défense qui initialement a été... Qui semblait bien se réaliser, mais là, à la seconde où on a sorti le Doomfist, c'était terminé. On a totalement détruit la défense, puis justement, on a réussi à avoir un fight où les kills se sont faites assez vite, donc l'autre équipe n'a pas pu respawn pour venir sur le point, donc beau travail en offensive ici. Et on va suivre un petit peu Monsieur Gab pour l'instant sur Anna qui semble faire du bon travail, donc les seuls kills qu'on a eu ont été des kills instantanés, donc des hooks de Roadhog. Et Tommy Wu qui est maintenant, je crois qu'il a été nano-boosté. Qui a été nano-boosté? On saura pas. Triple kill pour Tommy Wu avec le Meteor Strike. Et on complète le team kill. C'est Doomfist qui était nano-boosté, je pense. Ouais, hein? Ok, c'est ce que j'ai vu du point de vue de Monsieur Gab, j'étais pas sûr. Mais voilà, donc Tommy Wu qui est allé... complètement détruire l'équipe adverse. Et là, on doit répondre au Doomfist. On sort Sombra du côté des capitaines. Et Doomfist, vous voyez la position très agressive. On attend tout simplement. Voilà, c'est parti. Et on va aller chercher plusieurs éliminations. Wow. On commence par Alma Prime. Le beau hook de la part de Roadhog. Ici, Tempo nano-boosté, pardon. Oh, le Earth Shatter ici de la part de Crimson Knight. On va aller chercher... quelques éliminations, la charge pour compléter et Tempo va finalement tomber aux mains de son rival Crimson Knight avec l'aide de Monsieur Gab. Et on est déjà rendu au deuxième checkpoint, on défonce la porte à l'instant. Enox actuellement qui est très agressif, on est haut en énergie, on va en profiter, on avance loin devant. Le shield est down par contre, faut faire attention. Et voilà, Graviton qui est prêt. On va pouvoir l'utiliser. Le hook de la part de Desia. Le hack pour compléter. Mais ce ne sera pas suffisant. Un travail de monstre de la part de Monsieur Gab pour garder cette Zarya en vie. Qui est toujours high en énergie en ce moment. On a le Graviton qui est possible. Ça risque. C'est dangereux en ce moment du côté des capitaines. High Noon de la part de Alma Prime. On n'ira rien chercher par contre. Et le Shatter de la part de Crimson Knight ici. Nikos qui va tomber. Tempo, fin seul de son équipe. On tente le Earth Shadow, ce ne sera pas suffisant. Et la voie est ouverte ici pour les Lynx. On pourrait aller porter le payload jusqu'au checkpoint. Mais on tente le tout pour le tout ici de la part des capitaines. Meteor Strike de la part de Tommy Wu. Et on réussit la capture finalement de la part des Lynx. Wow! Expéditif. Donc on avait vu comme une hésitation sur le premier point, vu qu'on a réussi à avoir un bon hook du côté de Desia. Mais une fois qu'on a réussi à capturer le premier point, ça l'a juste pas arrêté. On a une autoroute. On était sur laquelle? On leur donne quelle autoroute là ce soir? Je sais pas, man.
Je dirais genre. Je viens pas de toi au Québec vraiment que présentement ça va bien puis qu'il n'y a pas de construction dessus, donc j'étais comme ça. Ok, J'étais mettons. clairement plus vite que sur les autoroutes québécoises, pour ça je cherchais. Pas Ben, de... on est en Allemagne actuellement, donc on pourrait leur donner une autoroute allemande. Il Oh oui, il n'y a pas de limite de n'y a vitesse. aucune Cette limite de autoroute. vitesse, c'est peut-être ça qui s'est passé. Donc, les Lynx qui ont Ouais. emprunté l'autoroute allemande pour se rendre jusqu'au bout du monde, Jusqu'au trône. jusqu'au trône. Mais donc, on va voir ce qu'on va réaliser comme défense du côté des Lynx. Pour l'instant, on semble avoir une belle défense qui s'organise et on a ça ici qui est toujours intéressant. La Symmetra du côté des Lynx qui donne des choses tout le temps cool. Tout le temps cool. J'espère que Alma Prime s'est mis avec ce personnage-là. Il est prêt pour les poires. J'y crois au Return of the King, Alma Prime, qui arrive, qui va juste 6 balles, 6 cadavres, genre. J'ai hâte. Comme dirait un homme sage, t'as besoin de combien de balles pour tuer une Pharah? Deux seuls. Deux, t'en as combien dans ton gun? Six, tu devrais pas reload une seule fois. Jamais. Et donc voilà, c'est parti la défense qui s'organise. On va aller jeter un petit coup d'œil ici du côté du Lucio qui va organiser le déplacement de son équipe. Donc les Lucios qui sont souvent utilisés comme joueurs tactiques. Donc c'est eux qui, avec le speed boost, peuvent décider à quel moment l'équipe doit se déplacer, à quel moment l'équipe doit avancer. Pour l'instant, c'est le Doomfist de Tomiyu qui va aller chercher le kill sur Nikos et on retourne rapidement du côté sécuritaire de son équipe. Et ici, le gros punch qui va être réalisé sur Killarius. Chibi Buster également qui va tomber. Ce Doomfist est en feu du côté des Lynx, qui est un gros problème. Et on le voit actuellement retourner. Donc, peut-être un changement de personnage de la part de Tomiyu. Pendant ce temps-là, justement, du côté des Lynx, on cherche quelque chose, là. On cherche une façon de passer, absolument. Donc, on va changer Alma Prime qui va se rendre sur le Soldier pour l'instant. Encore une fois, Inox très très agressif avec Lazaria. 7 points de vie pour Alma Prime, c'est dangereux. Et on utilise le shield ici de Symmetra. Mais c'est les Lynx qui poussent excessivement loin. Alma Prime qui va aller chercher un kill sur Inox, mais va être éliminé finalement par Monsieur Gab. Et le shield qui va tomber de la part de Symmetra. Donc Oh my god, Tomiyu qui fait n'importe quoi. Le gros BM là. ça Wow, les Lynx. c'est pas quelque chose qu'on apprécie voir malheureusement, mais voilà, donc c'est un Retourne au choix. match. C'est un choix du côté des Lynx. Donc on a Doomfist qui s'en vient. C'est le plus gros flingue de l'histoire, je crois. C'est ça qui se passe. Et Killarius, ici, qui va aller chercher un kill avec la coalescence, ou plutôt qui va aller éliminer le téléport. Tempo va finalement tomber. Et c'est le team kill. On réussit une défense additionnelle. Et Tomiyu qui, encore une fois, va prendre une marche. Voilà. On est en haut de la tour. On juge de l'eau. Donc pour l'instant, on a toujours de la difficulté du côté des capitaines à progresser, mais le EMP de la part de Chibi Buster qui va débloquer les choses. On va aller chercher un kill sur Enox et SSKS qui vont tomber. Tempo par contre va être éliminé. Alma Prime bien placé. Si on réussit la capture du point et Tomiyu qui est de retour sur ce point. Ou ici le Tactical Visor qui a été utilisé possiblement un gaspillage du côté de Alma Prime puisqu'on a été éliminé instantanément. Tempo ici qui est Il doit dire bonne nuit à Monsieur Gab. Donc les réflexes de feu avec le Sleep Dart de sa part. Donc les capitaines réussissent finalement à débloquer quelque chose. SSKS ici présent avec la Widowmaker Je recherche les poires. qui recherche la poire qui ne la trouvera pas pour l'instant. Mais on va se déplacer, on va prendre un angle différent pour aller chercher quelque chose. Ouh, un beau tir sur Alma Prime. Mais pas la poire. Ouh, la poire de Désia par exemple. Mais c'est Oh Chibi Buster qui a dit c'est assez la Widowmaker, on va se calmer. Mais entre-temps, les capitaines sont tombés grâce aux efforts de Tomiwoo, entre autres. Mais donc, l'équipe au complet qui fait un gros travail du côté des Lynx. Donc, Crimson Knight qui est maintenant sur Winston plutôt que au Tempo qui est tombé rapidement ici. Donc, qui a sans aucun doute utilisé sa charge pour se déplacer plus rapidement et qui a été éliminé par la suite.
sans aucun doute un sleep dart dans la part de Monsieur Gab qui a été prouvé très efficace jusqu'à maintenant. Et des IIC qui va être forcé de se replier. Encore une fois, les capitaines qui ont de la difficulté à avancer, à aller chercher quelque chose. Nanoboost sur Crimson Knight, qui est un Winston, qui est nanoboosté, c'est dangereux. On essaie de s'en tenir loin. Et voilà le gros flank de la part de Crimson Knight. On s'en va, on est derrière l'équipe en entier. Et on va utiliser le Lightning God ici à bon escient. Lingu qui va aller chercher un double kill. Enox également. Desia qui réussit pour son équipe quelque chose. Mais Crimson Knight va compléter les éliminations ici. On force les capitaines à se replier encore une fois. Est-ce qu'on va aller chercher le delay sur Chibi Buster? C'est bien fait. Donc Chibi Buster qui va ralentir encore une fois son équipe en étant complètement dépareillé du reste des respawns. Donc les capitaines qui tentent une avancée, quelque chose, si on est capable. Mais c'est excessivement difficile. On a un self-destruct qui s'en vient. Va aller chercher un kill sur Nikos. Et SSKS entre-temps qui réussit à éliminer Chibi Buster. Mais voilà, on a encore une fois le Doofus qui est très 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 dérangeant. Ici, Alan Prime qui va tomber face à Linku. Et voilà, Toby Wu qui est tellement dérangeant pour les capitaines, qui est sans arrêt bien placé. Donc les flanks de l'histoire. Nano Boost ici sur Toby Wu justement. On utilise le uppercut, on est hack. On ne peut pas utiliser ses habiletés. Et pour un Doofist, ne pas utiliser ses habiletés généralement, ça veut dire la mort. On était sauvé ici par la Hannah par contre. Et on y va avec le Meteor Strike. On cherche quelque chose. On va choisir le repli tactique pour l'instant. Et voilà, c'est les Lynx qui sont complètement en contrôle jusqu'à maintenant. 40 secondes avant la fin de cette partie. On a un Shatter qui est prêt de la part de Tempo. Mais on doit trouver un angle quelconque. Et voilà, on pourrait avoir quelque chose. Le EMP, le Graviton qui est utilisé également. On envoie le Shatter par-dessus. Peut-être un petit peu trop de la part des capitaines qui a été utilisé, mais on réussit tout de même à aller chercher l'élimination sur Toby Wu. Le payload avance actuellement et on cherche quelque chose. Les Lynx sont encore présents. Nikos qui va tomber aux balles de SSKS en pleine poire, ou plutôt dans le corps, mais Linku qui va aller chercher Chibi Buster. Le payload est encore en contrôle des capitaines pour l'instant. On envoie un self-destruct qui va retomber. Il n'ira chercher aucun kill par contre. Et Desia va finalement tomber. L'overtime découle tranquillement. On cherche à toucher du côté des capitaines, mais ça ne sera pas suffisant. C'est les Lynx qui l'emportent. Une autre victoire décisive. Donc on a très bien joué des deux équipes, mais du côté des Lynx, on n'a laissé aucune chance. En fait, on a laissé une chance. Mais on a quand même réussi à jouer de façon vraiment forte. Donc on voit un jeu. Justement, le pire de game. Des fancy plays. Le fancy play, définitivement. Donc, on arrive de nulle part avec le fancy play. Domination esthétique. Incroyable. Donc, justement, on le voit passer ici. On l'a vu passer par-dessus l'arche. Le Saint-Arche. Le Saint-Arche. Donc, tel arrive du haut des cieux et tombe sur l'équipe adverse sans aucune pitié. Aucune. Donc, incroyable. Donc, le calibre est vraiment fort présentement. Donc, j'ai bien hâte de voir la suite des choses. Est-ce qu'une équipe va réussir à détrôner les Lynx ou ça risque d'être pas mal nos têtes d'affiche pour la continuité de la saison? Pour l'instant, définitivement une des têtes d'affiche. J'ai hâte de voir les Lynx affronter le cégep de l'Apocatière. Mm-hmm. Ce match-là, je regarde l'horaire en ce moment, je cherche quand est-ce que ça va se passer. Ça va se passer le 21, donc la semaine prochaine. Malheureusement, ça ne sera pas streamé, mais c'est pas grave. On va vous revenir avec les résultats de ce match-là dans deux semaines. Avec les sweet stats. Avec les sweet stats, absolument. Mais donc, ça va être la semaine prochaine qu'on va pouvoir départager les deux équipes qui sont actuellement en tête d'affiche, qui, les deux, n'ont aucune défaite pour l'instant. Les Lynx qui prennent le devant avec cette troisième victoire pour eux. Et donc, voilà. Donc, prochain match, nous aurons le cégep de l'Outaouais contre le cégep de Jonquière. Restez à l'écoute, ça ne devrait pas être très long. Normalement, le match devrait
Juste être sûr et certain. J'ai-tu l'horaire d'ouvert? J'ai l'horaire là. Donc, le prochain match qui devrait être à 9h, donc dans quelques minutes. Donc, entre-temps, on va peut-être prendre une petite pause histoire de se délier les muscles et de boire un petit peu d'eau. Mais. Est-ce qu'on... Mais check. Oui. On prend une pause. Moi, j'arrête On de prend une petite parler pause. jusqu'à temps qu'on rentre en transition de façon ultra naturelle, mais check ça. Oui, donc voilà. J'étais comme en train de regarder plein d'affaires en même temps. Donc, on va prendre une petite pause de au moins 5 minutes. Le temps que, justement, comme je disais, on va se délier les muscles et on va revenir pour le prochain match qui est le Cégep de l'Outaouais qui va affronter le Cégep de Jonquière. On vous revient dans pas long.
Nous sommes de retour, le match de plus tôt, donc si jamais vous l'avez manqué, on avait les Lynx contre les capitaines de Matane et c'est les Lynx qui l'ont emporté 2-0. Nous sommes maintenant au deuxième match de la soirée où nous verrons le CS Echo du cégep de l'Outaouais contre les Gaillards du cégep de Jonquière. Je m'appelle Kujibo, je serai votre hôte pour cette fin de soirée. Et j'ai avec moi sur le banc de l'analyste, ou du moins dans sa chaise d'ordinateur chez lui, Soussou, mon bon ami Soussou. Comment vas-tu? Top shape, top shape. J'ai vraiment hâte à ce match-up-là. On a eu un bon match, un bel affrontement juste avant. On a eu les Lynx qui ont totalement dominé. Donc j'espère, là, ce que je recherche, ce qui m'animerait vraiment, ça serait un match un peu plus serré entre les deux équipes ce soir. Donc c'est ça que j'ai hâte de voir. Savoir, est-ce qu'il y a une équipe qui va vraiment dominer l'autre ou ça va être vraiment tirer l'élastique pour avoir la victoire? J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Donc oui, je suis hype, je suis prêt pour le beau jeu. J'espère que les poires sont prêtes aussi. Donc, à l'instant, on a donc les Gaillards. Je vais juste vérifier c'est lesquels, parce que les Gaillards ont deux équipes. Ça, c'est Gaillard 2. Je l'ai ouvert ici. C'est Gaillard 2, effectivement. Puis, merci. Les Gaillards 2 qui sont à trois défaites. Et le CS Echo de l'Outaouais qui est également à trois défaites. À deux défaites, pardon. Donc, qui n'ont seulement que deux parties de jouer du côté du cégep de l'Outaouais. Donc, on a le bas du classement qui va s'affronter pour l'instant. On va pouvoir départager entre les deux équipes laquelle va aller chercher leur première victoire et laquelle sera, pour l'instant, restera au fond du classement, mais avec l'optique de pouvoir remonter plus tard dans la saison. Donc, le draft est commencé. Pour les cartes, on a éliminé Anamura, Temple of Anubis, Lijiang Tower, Horizon, Lunar Colony et Numbani et également Dorado. Donc, encore une fois, on voit les double capture points être éliminés rapidement. Il reste Volskaya pour l'instant qui va pouvoir nous présenter ce style de match. Elle vient d'être éliminée. Of course. Vraiment, t'as cru quoi? Ce style de carte-là est vraiment pas apprécié du côté des joueurs généralement. Le double capture point, c'est pas un style qui est vraiment apprécié. Je crois malheureusement qu'il fait qu'on ne le verra pas ou presque pas avec le style actuel du tournoi. Donc, dans lequel les équipes choisissent leur style de carte. Donc, justement, avec le système de draft comme ça. Donc, peut-être... On a eu Anamura déjà. C'est vrai, on a eu Anamura. On a eu... T'as parlé of Anubis aussi, je crois. Mais on dirait que c'est tout le temps comme une carte qui se glisse comme ça à la fin du draft sans vraiment. Oh merde, on a oublié de la banner. Oups. Oh c'est non! À chaque fois, c'est comme non! Mais là, les double capture points ne seront pas oubliés cette fois-ci dans le draft. Donc, on les a éliminés rapidement dans cette phase de jeu. Mais donc là, pour l'instant, on voit. On a également éliminé tous les controls. Ah non, il reste Oasis. Il reste Oasis. Qui va peut-être être utilisé. Non. À l'instant où j'en parle, on l'élimine. Donc, on va avoir Hollywood, Kingsrow et Eichenwald. Donc, on va attendre de voir dans quel ordre. Mais... donc, on priorise vraiment les hybrides, je crois. Donc, c'est trois cartes hybrides qui nous restent. Pour le draft. Je sais pas si c'est le mode de jeu qui est préféré des équipes,
Il semblerait, le dernier match, on a eu deux hybrides. Donc, on avait Kingsrow en premier et Akenvald en deuxième. Donc là, on devrait avoir Hollywood et Kingsrow pour ce match-ci. C'est dommage. Moi, j'aime beaucoup les controls. Je sais pas pourquoi Bon. les joueurs très pas autant. Moi, control, c'est mon shit. J'adore ça. Mais donc, on devrait commencer sur Kings Row encore une fois. Donc, comme le match précédent. Et nous aurons par la suite Hollywood ou Eichenwald. Je ne sais pas l'ordre de laquelle a été bannie en premier. Je sais pas. J'ai pas remarqué. Mais donc, on va commencer sur Kings Row. On va avoir le Cégep de l'Outaouais en bleu et les Gaillards, le Cégep de Jonquière en rouge. Donc, d'un côté, nous avons LPS du côté de l'Outaouais, pardon. Nous avons LPS, Alex, Joker Strike, Nasty Sex, Joker Strike, Nasty Seg, Team Dead et XQC, El Diablo. Alors que du côté des Rouges, du côté de Jonquière, nous avons Blue Seb, Toumou, Alex Avril, 14, Morgan Laté, Lilo et Dark Killer 08. Ça, toujours. Morgan Laté. Tu as un nom plus winner que ça, c'est vraiment un beau nom. Ben, moi je trouve que Dark Killer 08, c'est pas pire. T'sais, ça, puis genre Shadow Phoenix ou comme Dark Dragon, là, je pense que Wow. ça témoigne un petit peu de ton âge quand t'as un nom comme ça. Wow. Ça, c'était cold. You don't do this. Mais donc, nous serons sur Kings Row. Encore une fois, ce qu'on a vu dans le dernier match, si on analyse la défense du côté qu'on avait du côté des Lynx, entre autres, on avait un Reinhardt ici qui bloquait tout simplement la petite entrée ici. Et on avait le reste de l'équipe bien positionné derrière ici. Et on utilisait la Widowmaker souvent, qui était perchée ici sur le high ground. Pour avoir une belle vision de l'arche ici et également pour aller chercher le premier pick-up. Souvent, du côté de l'attaque, on va utiliser une Widowmaker sur l'ouverture qui est ici pour possiblement avoir un pick rapide sur l'équipe adverse. Mais on peut faire la même chose, on peut faire le counter-pick avec la Widowmaker en défense pour justement utiliser cette même fenêtre comme un point décisif de défense. Donc, pour l'instant, du côté de la défense, justement, du côté du Cégep de l'Outaouais, nous allons y aller avec une belle défense bien organisée. On sort le Roadhog ici, ce que j'aime bien voir. Donc, on a un triple tank, triple tank, un seul DPS qui va être joué par LPS et deux supports. Alors qu'à l'opposé, on y va avec deux tanks, deux DPS. Donc, on va suivre l'avancée pour l'instant. On va aller chercher le point de vue du Genji qui va aller chercher. Oh, ici, face à face avec le Roadhog. On bloque le hook, bien fait. Et le shield de Zarya pour compléter la défense. Et on va aller déloger ici LPS qui est en danger face à ce Genji très agressif qui est Dark Killer. Et voilà, c'est parti sur le point actuellement. Dark Killer a un seul focus en tête, c'est LPS. Et on va aller utiliser le beau deflect. Alex qui va aller chercher la première élimination sur Tomu. Et pour l'instant, les kills sont bleus. Les rouges vont devoir se replier. Ou ici, Alex qui manque sa charge va être éliminé par Dark Killer. Mais on va aller chercher Morgan Laté entre-temps. Et donc, on force le retrait ici de la part des Gaillards. Le Cégep de l'Outaouais qui réalise une belle défense. Excusez sur la Zarya. On est high energy. C'est dangereux, une Zarya qui est fully charge. Et justement, on va être très agressif de sa part. Et l'attaque qui va progresser un petit peu plus lentement. On va prendre son temps pour bien se placer. Et on cherche l'ouverture du côté de Jonquière. Est-ce qu'on va la trouver? Pour l'instant, c'est un face-off entre les boucliers des Reinhardt. Et c'est le beau hook de la part de Team Dead. Earth Shatter qui a été lancé. Coalescence également. Les ultimates qui sont balancés par Jonquière. Ça sera suffisant pour percer la défense du Cégep de l'Outaouais et on va être forcé de se replier. Donc l'attaque est réussie
du côté des rouges. On débloque le payload à l'instant et les bleus vont se replier complètement. On va avoir aussi la Pokéball du côté pour le prochain fight. Mais on a beaucoup d'ultimates du côté des bleus ou en préparation du côté des bleus. Donc on a un combo super fort d'un bord, mais aussi la quantité de l'autre. Donc Joker Chai qui était très bas en vie. On doit conserver absolument ce Bro Shield pour la Pokéball, sinon ça va être l'élimination instantanée. Je sais même pas si le Bro Shield est suffisant pour bloquer la Pokéball. Voilà, on utilise le Bro Shield justement. La Graviton qui a été utilisée du côté bleu. C'est la machine à laver également, Team Dead qui lance le Whole Hog. Et c'est définitivement le combo qui a été le plus efficace. On a attrapé Lilo. Le Hanzo qui n'a pu lancer son Dragon Strike dans la Pokéball, malheureusement. Donc on gaspille le Graviton du côté des Gaillards. Et du côté de l'Outaouais, on a réussi une très très belle défense, mais on a utilisé beaucoup de Ultimate malheureusement. Il ne nous reste que le Rally qui va être utilisé à l'instant pour le Teamfight qui se développe sous nos yeux. Le Rally de l'autre côté, Tomu également qui l'utilise, donc on a les deux. Oh, gros Shatter avec le Death Blossom. On va aller chercher toutes les éliminations possibles. C'est Dark Killer qui réussit ce beau tour de force. Et on va se replier ici. On va aller chercher le flank, je crois, peut-être. Mais donc, la défense qui est complètement oblitérée. On a pris la bretelle. On est embarqué sur l'autoroute. Ça a été lentement, mais là, on a pris la bretelle. Puis là, on accélère. Est-ce qu'il va y avoir un arrêt? Est-ce qu'il y a la construction au choke point? J'aime beaucoup les. Ah, moi, je suis trop sur la route ces temps-ci. Je le ressens là, quand je. Et Dragon Strike qui est utilisé ici. Le Reinhardt qui est en plein milieu va tomber. Team Dead également. Dark Killer qui fait du gros travail. La Pharah qui est présente maintenant du côté des bleus. Et XQCL Diablo qui tombe. Nasty Seg sur Dark Killer. Tout de même, Morgan Laté sur Nasty Seg par la suite. Et donc, on a eu un petit embouteillage, mais c'était pas grand-chose. On réussit à passer le checkpoint rapidement du côté des Gaillards. Et donc, on va voir ici, on tente d'organiser quelque chose. J'ai l'impression que le cégep de l'Outaouais n'a pas réussi à trouver un point pour bien se placer. Et Dark Killer ici qui réussit à aller chercher LPS dans les cieux en utilisant son téléport pour se placer. Et on va suivre la progression de ce dernier justement. On va être bousculé par la Brigitte. Et voilà, Death Blossom qui est prêt. On utilise le Raid Form. Et voilà, c'est lancé. On va aller chercher un premier kill. Deuxième. Oui, également, troisième kill pour Dark Killer. Tomu sur Team Dead. Et voilà, LPS qui est présent pour se défendre. Et ce ne sera pas suffisant. On réussit la capture du côté des Gaillards. Donc, wow. Ça l'hésitait au début. Mais à un moment donné, boum, on a réussi à accélérer la machine. Et après, Highway jusqu'au point final, donc très bien joué. Donc en défense, j'ai bien hâte de voir comment on va se débrouiller, mais on a réussi à avoir une belle synergie vers la fin. On n'a pas eu d'opposition vraiment officielle, ça a bien avancé. Définitivement, le combo entre Dark Killer et le Reinhardt qui je crois qui a débloqué le tout, qui a permis de prendre cette bretelle pour embarquer sur l'autoroute. Le Death Blossom et le Earth Shatter qui ont été combinés chez les Gaillards. Et on dirait qu'à partir de ce point-là, du côté du cégep de l'Outaouais, on n'a pas été capable de vraiment mettre le pied à terre et de prendre le temps de se placer pour avoir une défense qui est compétente. Je crois qu'à partir de ce moment-là, ça a été vraiment boule de neige et on a pu progresser jusqu'au point final. Pour les Gaillards. Et justement, Morgan Laté qui sort un fan favorite, je crois. Définitivement un fan favorite. J'adore les petits détails du jeu. Là, je sais pas s'il va sortir de son ball form, là, mais on voit les mains du hamster qui pilotent. Ouais, c'était dessus, moi, le live. Il était sorti, là. C'est vraiment cool. Petit détail, comme Diva qui contrôle son mec à l'intérieur du mec. Ouais, également, qu'on peut voir avec les joysticks et tout. J'ai hâte de voir comment Morgan Laté va utiliser Wrecking Ball. C'est un personnage qui m'est encore peu familier. Donc, ouais, il m'échappe moi aussi. C'est pas un personnage qu'on voit souvent, on peut le dire comme ça. Donc pour l'instant,
on cherche quelque chose. On utilise le wrecking ball form pour se balancer sur la. C'est du scouting. Sur la statue, mais on voit rien. Et donc pour l'instant, on a LPS ici sur Widowmaker qui va chercher des ouvertures, mais on a un bouclier de Orisa qui est bien placé. Et on choisit l'attaque sur le high ground du côté du cégep de l'Outaouais. Donc on va progresser tranquillement. C'est Morgan Latte qui va recevoir une balle en pleine poire, mais va pouvoir retourner en ball form et s'en sortir. Et là, LPS qui va devoir choisir un perchoir un petit peu moins agressif, je crois. Ce qui est en pleine vue de l'équipe adverse. Et voilà, on est rentré sur le point. Alex va tomber excessivement rapidement grâce à Blue Seb. Et LPS très bas en vie. Je ne vois pas vraiment. Oh, LPS qui va être éliminé ici par Wrecking Ball. Par Morgan. Je ne vois pas nécessairement ce que le cégep de l'Outaouais tente de réaliser. Donc on est très 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 séparés actuellement. On a excusé El Diablo et Team Dead qui étaient très très loin sur le flank. Mais justement, Team Dead qui va tomber, on utilise la coalescence tout de même, on a un bel angle ici par Excel Diablo, on réussit à faire énormément de dommages et on va aller chercher deux kills grâce à ça, LPS et Alex sur Dark Killer. Et on va aller chercher Alex Avril ici, va finalement tomber à Excel Diablo, mais on est mal placé. Ouh, le beau raid form de la part de Excel Diablo pour éviter le retire qui va aller chercher tout de même, le Reinhardt qui va tomber, mais ici, ouh, on a été boop. Très très loin devant. On va s'en sortir pour l'instant. Team Dead va éliminer Blue Seb. Morgan Latte qui va finalement tomber à LPS. Dark Killer qui est très en danger actuellement. On doit se replier. On va tomber finalement au Hanzo également. On a un Riptire qui s'en vient. Un Riptire qui pourrait ne pas être très 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 utile. On va aller tout de même chercher Alex Avril. Donc on s'assure de un petit moment de répit du côté du cégep de l'Outaouais. Avant d'avoir sortir Mercy, c'est pas mal toujours une bonne chose. Donc, bien joué pour ce petit pic-là. Il va falloir qu'on attende le retour. Alex Avril qui est très très loin. Le respawn qui est complètement au bout de la carte actuellement pour les rouges. Et donc, on va devoir être patient du côté des rouges puisque notre main healer n'est pas présent encore. Et donc, on se retrouve à être très vulnérable aux pokes, entre autres de. Ah, voilà justement Alex Avril qui vient d'arriver pour son équipe là. Et voilà le rally qui est utilisé ici de la part de Dark Killer. On va progresser rapidement. Team Dead qui est allé chercher le Whole Hog ici. On balance tout ce qu'on peut. Le Dragon Bleu également qui passe au travers. On ira rien chercher par contre pour LPS. Et voilà les ultimates qui sont utilisés les uns après les autres. On utilise le High Noon de Lilo. On n'ira rien chercher par contre. Mais c'est toujours un ultimate qui peut être utilisé de façon défensive, donc on force l'équipe adverse à se replier, à trouver quelque chose pour se protéger. Et donc pour l'instant c'est une belle défense de la part des rouges. Alex qui est très très bon en vie utilise des petits short hop pour reculer en gardant le bouclier levé, mais on va être forcé de se replier l'équipe au complet. Moi j'ai envie de voir un petit peu ce que Team Dell réussit à réaliser avec son Roadhog pour l'instant. On a eu des beaux Whole Hugs qui ont été faits, mais peut-être pas nécessairement l'impact qu'on veut d'un Roadhog ici. Oh, ici on va aller chercher peut-être une belle position. On est trap par contre. Le ultimate de Junkrat qui est parti. Earth Shatter également. Oh. Lilo qui réussit à détruire le Riptire. Et Nasty Sex ici qui, avec la mine, va être capable d'éliminer Dark Killer. Mais on est toujours bloqué. Les rouges qui réussissent encore une fois à garder la défense active. Et on poursuit XQCL Diablo actuellement. Mais ça ne sera pas suffisant. On va choisir de se replier vers le point. Ici, encore une fois, les Gaillards qui réussissent une belle défense. Et on ralentit, encore une fois, le cégep de l'Outaouais. Wrecking Ball qui... on dirait que j'ai de la difficulté à voir un petit peu. Oh, ici, Joker Strike qui va tomber. Ça va ralentir énormément. Là. On va être obligé d'attendre un respawn, encore une fois. J'ai un petit peu de difficulté à voir l'impact de Morgan Latte. Et... on va se replier ici. On a été très agressif, donc un petit swing. Ici, le Dragon Strike est utilisé. Rally également de la part de Dark Killer. Blue Seb qui va aller chercher un double kill. On utilise le Shatter. Triple kill, quad kill pour Blue Seb. Un gros Shatter de sa part. Et le Team Kill qui est réalisé par les Gaillards. Fait un très beau travail.
Puis là, en plus, on est bien en défensive. On a deux ultimates, bientôt l'ultimate de Morgan Laté. Donc, on est très bien. Encore, on est resté une minute, donc on est dans une très belle position. Et c'est LPS qui, avec la Pharah, fait pleuvoir les missiles sur l'équipe adverse. Oh, ici Morgan Laté, très bien en vie, va tomber. On avait l'ultimate prêt à être lancé. Et le speed boost du côté de Joker Strike pour faire progresser son équipe. On profite. Et le classique. Crazy flank du côté de LPS. Rip Tire ici de la part de Nasty Seg également. Donc on débloque finalement cette bretelle. On embarque tranquillement. Avec 30 secondes à faire, ça va faire du bien pour le cégep de l'Outaouais. On s'ouvre une petite porte pour pouvoir passer. Et c'est entre autres grâce à LPS et son changement vers Pharah. Le flingue, on a réussi à aller tuer Junkrat quand il voulait caster son ultimate, donc très bien joué. Ici Morgan Laté qui utilise le champ de mine. Et on va se retrouver ici. Oh, Alex qui va tomber, Riptire qui s'en vient de la part. Ouh, et on va être éliminé par Lilo, Riptire qui s'en vient. On cherche des yeux. Et voilà, on va éliminer Nasty Seg. Joker Strike qui est toujours présent sur ce point avec son Lucio va finalement être éliminé. Et on réussit cette défense très très près du checkpoint. Et cette manche sera remportée par les Gaillards. Gros match. Donc j'ai bien hâte de voir ce qu'est le play of the game. Moi je parle sur Blue Seb. Ah non, Dark Killer. C'est vrai, le ah oui, le Death Blossom en plein milieu du Earth Shatter. Voilà, on vient tout juste d'avoir le Death Blossom. Et voilà, en plein milieu du Earth Shatter. On va chercher on était bien. Ouais, un beau quintuple kill selon l'annonceur du jeu. Donc c'était très très bien fait de la part de Dark Killer et de Blue Seb qui ont fait un très beau combo les deux ensemble. Et donc c'est les Gaillards qui vont remporter cette manche et on va se garder place pour voir si le cégep de l'Outaouais va réussir à élever une défense. J'ai hâte. Mais je suis content quand même parce qu'on a réussi à avoir un niveau plus similaire. C'était pas un total stomp. On a eu des plans, on y a cru, le rêve était en vie. Donc j'ai bien hâte de voir sur la deuxième map si le match va ressembler à ça ou si on va aller vraiment comme. Le jeu va être totalement différent. Dépend à cause de le changement de carte. Je me pose bien la question. C'est une deuxième carte qui est très semblable. Donc on va avoir Eichenwald. Est-ce qu'on va revoir un Wrecking Ball? Est-ce qu'on va revoir justement? Est-ce que ça va être les mêmes personnages avec la Brigitte? Est-ce qu'il y a peut-être avoir un Bastion, d'autres personnages, un Doomfist? Est-ce que le monde allait garder les mêmes compositions ou non on allait changer vu que la map a changé? Ça je me demandais si. J'aime ce que je vois du côté bleu. Moi aussi, bien entendu. Je crois qu'il y a un joueur qui a DC malheureusement. Donc on n'est pas en. Ok, bon, c'est bon, ça a été re-initiated. Donc on j'aimais ce que je voyais du côté bleu. Là, ça va être sans aucun doute différent. Mais. Donc, on va avoir pour l'instant quelque chose qui ressemble. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait au début du côté bleu. Encore des changements qui vont pouvoir se faire. Il reste encore 15 secondes pour les équipes à choisir leur personnage avant que l'attaque commence. Mais très hâte de voir ce que les équipes vont réaliser. Ça ressemble énormément. Donc du côté rouge, on est en attaque. Est-ce qu'on va stick avec la Symmetra en attaque? On a déjà vu cette stratégie fonctionner. Donc là, je vais dire Dark Killer parce que c'est lui qui la joue, mais donc la Symmetra qui pose le téléport et là l'équipe en entier qui rentre et qui se retrouve à une position que l'équipe adverse n'est pas prête à défendre nécessairement. Mais donc du côté bleu, du côté de l'Outaouais, on va y aller encore avec le Roadhog ainsi qu'avec Moira, Brigitte, Lucio, Reinhardt et Hanzo encore une fois. À l'opposé, on continue avec le Reinhardt, Brigitte. Moira également, c'est très similaire. Hein? La seule différence qu'on a ici, c'est Symmetra versus Lucio. Ouais,
Symmetra versus Lucio. C'est la seule différence qu'on a entre les deux équipes en ce moment. Moi, je veux suivre. Oh, ici, on a manqué le hook de la part de Team Dead. On va être forcé de se replier. Donc, on va aller attendre le cooldown que le hook revienne. Nasty Sec face au Reinhardt. Va être forcé de se replier. Très, très bon vie. On va survivre. Mais c'est LPS qui va tomber face à Lilo. Et Tomu qui va aller chercher le beau kill ici sur Alex. Nasty Sec à l'inverse qui va aller chercher son rival. Forcé de se replier encore une fois. On a perdu le Reinhardt, je le rappelle, du côté bleu. Ça devient très dangereux. Et c'est bien fait de la part de Nasty Sec. On a joué l'angle. On a presque réussi l'élimination sur LPS. Lilo. Et Alex qui fait tomber Blue Cell. Dragon Strike en pleine poire de Joker Strike. Justement, on va recevoir la flèche en plein visage avant même que le dragon soit déployé. Et Team Dead ici qui est présent pour son équipe encore une fois doit contester, va être éliminé. LPS présent encore une fois va être forcé de se replier. Et on doit soit on avance soit on recule. Et voilà, on décide de contester du côté bleu. LPS va tomber. C'est El Diablo également. Et Morgan Latte qui utilise le whole hug. Pas certain de l'utilité du Ultimate actuellement. Mais du côté des Ultimates, on n'a pas de stress. Du côté des Gaillards, on en a 3 de près. On en a 3 également de l'autre côté. Mais donc le payload qui est tout de même débloqué. Et on a une Tracer ici. Lilo qui a changé. Qui est allé chercher la Tracer plutôt que le Hanzo. Et donc, on va pouvoir être semi-agressif du côté de Lilo. Pour l'instant, on est plutôt passif. Hein? On reste loin derrière. Et Mais là, on a un Reinhardt qui est caché sur le toit pour faire un gros drop derrière le shield, je crois. Je serais surpris que le cégep de l'Utahouen ne l'ait pas remarqué. Mais... Disons non, on semblait pas l'avoir remarqué. Moi, j'y croyais aussi. Oh là là! Morgan Latte qui réussit un beau tour de force avec son Roadhog. Donc... On utilise le hook et l'angle pour... Et voilà, un shatter! Oh, un gros shatter ici, très important. On cancelle la coalescence et on va chercher aucune élimination pour l'instant, mais la coalescence de notre allié qui aide à nous garder en vie pour l'instant. On fait du gros dommage ici de la part de Blue Sam, mais on est forcé de se replier tout de même. Team Dead qui va aller chercher Alexandre et on s'envole avec le whole hug qui cancelle complètement la charge. Et les kills sont excessivement bleus en ce moment. Blue Seb qui va finalement tomber. Et la défense est bien réalisée du côté du cégep de l'Outaouais. Et on va poursuivre ici Morgan Latte qui va tomber sans aucun doute. Voilà à l'instant Nasty Steak qui réussit cette élimination finale. Et c'est à souligner, c'était Morgan Latte qui avait réalisé le beau tour de force ici. Donc on était sur le coin, bien caché derrière le bouclier de Blue Seb. Et on a balancé le hook sur notre opposant Team Dead. Et on a réussi à tout simplement tourner, faire tomber Team Dead à l'extérieur de la carte en utilisant justement le hook. Et voilà, Rally qui est utilisé de la part de Nasty Seg. On a sorti la Pharah du côté des Gaillards. Nasty Seg est forcé de se replier quand même. Team Dead va réussir à éliminer Blue Seb à l'instant. On a Riptire qui s'en vient de la part du côté bleu. LPS qui va faire tomber Alexandre Avril. Et c'est une belle défense ici qu'on voit de la part du cégep de l'Outaouais malgré le changement vers la pharmacie. Donc la pharmacie qui n'a malheureusement pas réussi à faire de changement vraiment. Mais là, bon, on s'approche dangereusement de leurs deux ultimates. Donc on est à 50% avec un fight. Donc j'ose croire qu'on risque d'avoir des plus gros impacts à venir. Et justement, on va quand même aller chercher le point de vue de Lilo. On rappelle que Pharah a été grandement nerfé, donc le dommage de ses explosions qui a été énormément diminué. Mais en contrepartie, on a augmenté son rate of fire, donc pour un petit peu balancer. Là. Mais ça reste que le personnage est moins facile à utiliser, on pourrait dire. Mais donc le... Encore une fois, nerf up de wazoo, là. Les explosions qui font beaucoup de dommages, mais sur une moins grande distance. Donc, on doit être plus précis avec l'utilisation des roquettes, ce qui semble ne pas être un problème pour Lilo actuellement. On a un rocket barrage possible, et voilà, on lance directement sur le Roadhog. On cherche à éviter le hook qui ne sera pas utilisé, mais on ira chercher aucun kill de la part de Lilo.
Et justement, LPS et Team Dead vont aller chercher un kill chacun. Et succès Diablo, Team Dead également, encore un kill sur Blue Seb. Et le killfeed est très bleu actuellement. Lilo encore présent. On ne réussit pas encore à le déloger. Mais voilà, on fait pleuvoir les missiles sur Alex. On réussit pas encore à l'éliminer. Et Morgan Laté qui va tomber en conséquence de ce marteau. Et là, Team Dead qui est très agressif. On sort le Soldier ici qui va forcer Lilo au sol. LPS qui a été très 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 précis. Mais va être éliminé par Dark Killer qui est loin derrière l'équipe adverse avec la Dragon Blade. On est allé chercher LPS, mais rien de plus. Donc on donne tout de même l'avantage à notre équipe actuellement. Voilà, face à cette Brigitte. Dark Killer qui s'en sort avec 25 points de vie uniquement. Et pour l'instant, c'est la mêlée si proche de la porte. Le rally qui est utilisé de la part des gaillards. Et la coalescence direct. Ouh! Le rocket barrage en plein visage. Mais LPS. Oh là là! Wow! LPS qui va être éliminé presque instantanément. Plutôt LPS qui réussit à éliminer presque instantanément Lilo. Et Tomu, dernier de son équipe, va être éliminé. Alex Avril qui est très très loin. On a seulement 10 secondes à faire pour du moins toucher le point. Réussir. Oh, ici on fait un petit flingue avec Lilo et Alex Avril. On tente de toucher. On débloque l'overtime actuellement. On tombe dans le trou. Est-ce qu'on va sauver la Mercy? Malheureusement non, Alex Avril qui n'a pas réussi à trouver un allié pour pouvoir voler. Et Team Dead ici qui balance le whole hug. On élimine Blue Seb. LPS également qui va aller chercher les éliminations suffisantes pour bloquer complètement cette attaque des gaillards. Donc on ne réussit pas à pénétrer le château. On va être obligé de défendre sur le pont. Donc très belle défense. On a réussi à reprendre le momentum pour stopper ça. Puis depuis qu'on est rendu à ce choke point là, on n'a pas beaucoup plus avancé. Donc très bien joué sur la défense. Donc, j'ai hâte de savoir si on va être capable de conserver ce momentum là en changeant de position en allant à l'attaque ou finalement l'autre équipe va tout simplement défendre de façon encore plus convaincante. Donc on a tout de même le premier checkpoint à dépasser. Donc du côté des gaillards, on doit débloquer le payload, on doit pousser jusqu'au même point, ou du moins aller un petit peu plus loin. Donc on doit réaliser une meilleure performance, tout simplement. Donc on voit où est-ce que le payload est arrêté actuellement. C'est jusque là qu'on doit avancer, du côté des gaillards. Plutôt du côté de l'Outaouais, pardon. Donc ce sera les gaillards en défense, le cégep de l'Outaouais en attaque. Et on semble vouloir sortir la pharmacie du côté bleu. Donc un petit peu une page du playbook des gaillards. Donc on voulait utiliser la pharmacie, ça n'a pas eu l'effet escompté du côté des gaillards. Donc on n'a pas nécessairement réussi à débloquer ce qu'on voulait, mais on va avoir ici Junkrat et Hanzo au niveau du dommage du côté des gaillards. Donc on cherche à réaliser un premier pick ici, possiblement avec Lilo qui surveille l'angle. Et c'est un beau fire strike sur le Reinhardt. Et voilà, la pharmacie qui commence à se faire sentir du côté bleu. On va forcer déjà, on force des replis. La pharmacie qui est très dérangeante ici. On a une belle position dans les airs. Et on attire énormément l'attention de Lilo qui doit se concentrer sur la position de la Pharah plutôt que possiblement d'utiliser. Oh voilà, deux flèches, l'élimination sur LPS. Et on va aller chercher, on va aller le récupérer tout de même. Résurrection de la part de Joker Strike. Mais justement, LPS qui est en mauvaise position ici. Le flic peut-être de la part de Lilo. On va réussir cette élimination une deuxième fois. Le hook ici de la part de Team Dead. Le beau lead pour reculer. Et Team Dead qui est en danger en ce moment va se replier. Bien placé tout de même. Et on a un Dragon Strike qui s'en vient de la part de Lilo. Qui va sans aucun doute forcer un repli de la part de l'attaque. Mais du côté de la défense, notre économie des ultimates est très bonne. Donc on semble être très proche de pouvoir conserver cette défense. Donc on va voir de la coordination sur les ultimates, qu'est-ce qui va se passer.
Les illuminations sont rouges actuellement. Alex qui réussit à faire tomber son rival. On lance le Dragon Strike ici. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher plusieurs kills? On va aller chercher Joker Strike tout de même. Donc la Mercy qui tombe. Ho-Hug utilisé de la part des Team Dead. Mais on va être éliminé par Lilo. Lilo qui est sans aucun doute le MVP actuellement. Et ici face à Nasty Seg. On est très bon en vie. Et on réussit à être récupéré par notre Mercy du côté rouge. Alex Avril qui fait du beau travail pour son équipe. Et donc on réussit à repousser cette attaque. On a utilisé tout ce qu'on avait du côté des gaillards, mais du côté de l'attaque, ça va être un prochain. Le prochain teamfight pourrait être dévastateur. On a 4 ultimates d'un seul coup. Celui de la coalescence de XQC El Diablo qui s'en vient également. On est très 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 près de pouvoir l'utiliser. On va jeter un coup d'œil, on va garder un œil sur LPS. LPS, je le rappelle, qui attire énormément l'attention de Lilo. Donc on voit son curseur qui est constamment élevé. On regarde que très peu ce qui se passe au sol. Nasty Seg va tomber Alex sur Dark Killer. Et voilà, LPS qui réussit l'élimination importante. Rocket Barrage, et voilà, on utilise tout du côté des bleus. On conserve le Earth Shatter et on va débloquer ce payload actuellement. Donc le cégep de l'Outaouais qui a bien conservé ses ultimates. Et on a utilisé que ce qui était nécessaire. Donc le Rocket Barrage qui a fait énormément de dommages. Et voilà justement LPS qui va être très agressif. On va aller chercher le pic par-dessus le muret ici. Mais on va progresser avec ce payload. Donc très beau travail. Je dirais qu'en défense on a peut-être exagéré. On avait une meilleure position, on avait plusieurs ultimates. Mais on a tout mis, on a tout balancé la sauce. Donc on s'est fait reprendre à revers par LPS. Justement les ultimates sont arrivés un petit peu après. Donc très bon travail en offensive. Blue Seb ici qui utilise la D.Va pour faire de la pression sur LPS. Les deux Reinhardt qui vont se percuter les uns les autres. Dragon Strike dans la part de Lilo, mais on a été immobilisé trop longtemps. LPS a pu en profiter. On va aller chercher un kill tout de même sur Team Dead. Et Lilo qui va être récupéré par Alex Avril actuellement. Et LPS très bon en vie va être éliminé par Blue Seb. On va suivre un petit peu le point de vue de Alex qui a un Earth Shatter. On va récupérer LPS à l'instant. Oh, Shatter qui a été bloqué, je crois, par Alex. Le Shatter de Morgan Latte qui a été bloqué. Et la charge ici sur Morgan Latte, on utilise la charge également pour créer une égalité. Earth Shatter ici, un gros Shatter. On est allé chercher 4 personnes, je crois. Et voilà, c'est les coups de marteau qui sont balancés d'un côté et de l'autre. Mais ça ne sera pas suffisant. On a un Riptire ici qui va aller chercher Team Dead tout de même. Nasty Seg qui a fait son possible pour détruire le Riptire, mais on force le repli des bleus, le cégep de l'Outaouais qui doit se replier complètement. On récupère LPS tout de même du côté bleu. Et on réussit finalement à stopper cette attaque. On a utilisé quelques ultimates tout de même. Donc Riptire, je crois la Valkyrie d'Alex Avril qui a été utilisée également. On a un Dragon Strike qui s'en vient à l'instant. Lilo qui va aller chercher Alex très rapidement l'élimination. Utilise la Valkyrie du côté bleu. Et voilà, le Dragon Strike qui va aller chercher Nasty Seg. Alex Avril qui va tomber de la part de LPS, pardon. Et voilà, on progresse ici. On est très agressif sur ce Reinhardt. Et voilà, d'un coup de paume, on réussit son élimination. On doit se placer ici derrière le payload. Voilà, LPS qui réussit tout de même à aller chercher le kill sur Blue Seb. Et ce payload avance dangereusement près de ce prochain checkpoint. Donc LPS qui a son propre Dragon Strike à lancer sur l'équipe adverse. Oh, ici la Brigitte qui est peut-être un petit peu trop avancée. On va être poursuivi. Alex Avril qui va tomber, la Brigitte qui est toujours en vie. Dark Killer qui tente de s'en sortir, va réussir à... Oh ben là, on se retrouve face à l'équipe adverse et c'est Nasty Seg qui va aller chercher l'élimination. Et voilà, on se retrouve en 6 contre 4. Dragon Strike peut-être qui a déjà été utilisé. Et c'est au Blue Seb, très très proche. Earth Shadow de la part de Alex, mais on n'ira rien chercher malheureusement. On était trop loin. Et le cégep de l'Outaouais crée l'égalité. On va aller sur une troisième carte. Ouh là là. Play of the game pour LPS avec son Hanzo. On pourrait peut-être croire que le... La brigade qui a overextend un peu trop. J'espère que c'est pas à cause de ça qu'on a officiellement perdu, mais. Variété, une autre game hybride. Let's go! Oh, et voilà, les points s'additionnent pour Lilo. On lui donne les 12. Perfect. Upvote.
Et là, malheureusement, Lilo, pour toi, t'as eu 12 votes. Ça, c'est ça pour le beau jeu. Il devrait mettre un autre émoticône pour la troisième fois, quand t'es rendu à 12, juste pour souligner le fait que t'as voté pour toi. C'est un pioum, pioum, égoïste! Genre, faire dans le même, ça serait cœur. Mais en tout cas, ce n'est pas humble. Ce n'est pas humble de faire ça. Mais avoir joué comme ça, moi aussi, j'aurais fait la même chose. Donc, absolument. C'est correct. On n'ira pas de fausse modestie. Non, quand même. LPS qui a possiblement mené son équipe à la victoire. Donc, on l'a vu jouer excessivement bien avec les différents personnages, entre autres Hanzo, qui a été souligné par le jeu lui-même, juste pour nous prouver qu'il faisait un beau travail. Mais on va avoir une troisième carte ici. Donc, troisième match, c'est la première troisième match? Troisième map depuis quand même longtemps. Mm-hmm. Si je ne m'abuse. Et on va retourner sur Hollywood pour cette troisième map. Qu'est-ce que tu penses qu'on va voir là? Parce qu'on a vu les deux équipes s'affronter. Le cégep de l'Outaouais qui a été meilleur sur Eichenwald, alors que c'est les Gaillards qui sont sortis on top. Qui a été meilleur sur Eichenwald, qui sont sortis on top de Kings Row. Donc, quelle équipe va gagner cette prochaine map? Je sais pas, parce que ça peut vraiment aller de chaque bord. Il pourrait avoir un upset, parce que la dernière fois, nous, c'est ça qui s'était passé. La première carte avait été gagnée par une équipe, et l'autre équipe, après, avait gagné les deux cartes. Mais ça semblait être moins serré, puis c'était des captures de points, c'était une hybride. On avait le temple, le temple d'Anubis, donc je sais pas. Je m'attends encore à quelque chose d'encore plus serré. Donc, la première map était moins serrée. La deuxième, c'était quand même très serré. Je m'attends à un match-up très serré présentement pour ce qui est de Hollywood. Et donc, pour l'instant, c'est le cégep de l'Outaouais qui ont le vent dans les voiles. C'est eux qui ont le momentum. Et donc, on va voir ce que ça va leur apporter. Mais. Les Gaillards qui ont définitivement pas dit leur dernier mot. Et je vois quelque chose qui m'intéresse du côté des Gaillards en ce moment. Donc on a une possibilité d'un Wrecking Ball qui s'en vient en attaque. J'ai hâte de voir ce qu'on va proposer. Mm-hmm. Et donc on y va avec la pharmacie en défense pour l'instant. Et on n'a pas de headscan du côté des Rouges pour contrer la pharmacie pour l'instant. Je sais pas si le Genji va être suffisant pour déloger LPS des cieux. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir réaliser dans pas longtemps. Mais on a une Pharah de notre côté. Une pharmacie du côté des Gaillards également. Donc on va avoir un duel aérien qui pourrait donner quelque chose. Ouh, on manque le EMP malheureusement du côté. On utilise bien les roquettes ici. Et juste pour toi, je tiens à dire que les joueurs... cégep de l'Outaouais ont tous Kevin comme spray. Tu verras sur le payload. Mon boy Kevin. Et Team Dead qui est très très bon en vie. C'est Alex qui va aller chercher la première élimination sur Tomu. Et Dark Killer qui va être récupéré ici par Team Dead. Le Roadhog qui se fait sentir ici. Fait du gros travail pour le cégep de l'Outaouais. Et si on a Blue Seb, on va aller le chercher. Peut-être on cherche un angle pour... Oh, le beau hook ici sur Alexandrine. On va être délogé par contre. On va manquer l'élimination possible. Morgan Latte qui utilise le ball form pour se replier. Et voilà. La défense qui est réussie. Dark Killer qui va tomber à Team Dead. Bon sang, ce Roadhog, mesdames et messieurs. Les hooks 100% accurate. Aucune erreur. Aucune trace pour l'erreur. Voilà, une belle position ici. On va toucher la bagnole par contre. Il l'a pas raté, c'est ce que la bagnole elle a pas hook, mais. S'il voulait hooker la voiture, il l'avait. Direct dessus. Ah, ici le hook qui va être bloqué par Brigitte. C'est bien fait de la part de Tomu. Et voilà, on cherche un angle toujours du côté de l'attaque. On cherche une ouverture. Et voilà, Team Dead, on voit son curseur où il était placé. On voyait la Pharah, on l'avait. In the sight. Et voilà, le minefield qui est utilisé par Morgan Latte. On utilise le hook ici tout de même. Team Dead très bas en vie. Et voilà, excusez le Diablo sur Dark Killer qui va tomber. On a un whole hug de presque. On va l'utiliser. On le conserve pour l'instant. Je crois que ça va être conservation. Oh, on l'utilise. Voilà, c'est parti. Mais on tombe très bas en vie. Dark Killer qui fait un beau travail. Va être éliminé par LPS tout de même.
Ici, on voit Morgan Latté en ball form piloter autour de cette voiture, autour du payload. Mais on va finalement tomber grâce à LPS et ses alliés. Blueset doit se replier. La charge ici pour poursuivre. Et on va finalement tomber à excuser El Diablo. Et voilà, Alex avec son bouclier levé attend les roquettes tout simplement. Donc, très belle défense. Justement, on n'a pas réussi à capturer un tiers du point. Donc, c'est comme si on n'avait pas capturé le point encore. Donc, il nous reste 1 minute 20 secondes. Il va falloir réussir à se reprendre. Mais les dégâts sont au rendez-vous. Et là, on a un joueur qui malheureusement disconnecte du côté bleu. Donc, si la pause devrait se sentir. Ça ne sera pas bien long. Je l'ai écrit dans le chat, juste pour être sûr. Bouillard. Donc, malheureusement, ça va probablement être. Ça va probablement causer. La perte du point du côté des bleus. C'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent face à ce style de jeu. Oui, yes, sir. Mais bon. Donc, Donc là, à date, j'aime ce que je vois. J'espère que le match, le momentum va rester aussi. On va continuer à être aussi hungry. J'espère que le. Des fois, il y a un DC, puis après, l'équipe, elle vient tilt, puis ça fonctionne plus. J'espère qu'on verra pas. J'espère qu'on va rester fort malgré tout. Ouais, ça va être. On va voir ici la force de caractère du côté des joueurs du Cégep de l'Outaouais. Parce qu'un DC comme ça, qui, sans aucun doute, va probablement causer la perte de ce point-là. Donc, on risque de débloquer le payload du côté des Gaillards. Puis avec sa Brigitte, il faisait tellement un gros travail. Donc, ouais, c'est un gros coup de le perdre quand sur la défense, on travaillait assez bien. Donc, j'espère justement qu'on va être capable de garder le moral puis continuer. Et j'aime ce qu'on dit dans le chat. Ouais, bonne chance à Reinhardt. Au Reinhardt d'Alex parce que moi j'ai encore l'écran de la pause, mais on voit Alex le bouclier levé. Il y a une coalescence qui lui passe à travers un Fire Strike également en même temps. Et on a Tomu, Blue Seb, Morgan Latté. Et en fait, on a l'équipe rouge au complet. Juste devant. L'éventail devant. Avec le bouclier un peu brisé, un peu fracturé. Donc, il y a sa coalescence de son équipe derrière lui. Donc, avec moi dans mon écran, puis il y a la Mercy qui l'a guéri. Donc, son équipe est derrière. C'est juste, est-ce qu'on va survivre? Derrière, mais... Donc, on peut faire des bets dans le chat. Est-ce que Ryan va vivre ou Ryan va mourir? En dans de 10 secondes en venant de la pause. Ok, on va se donner un 10 secondes quand même là, pour que le fight se développe un petit peu, mais. Ouais. En 10 secondes, je sais pas s'il survit ou s'il meurt. Donc, à date, Captain Mollet s'est prononcé, on dit mourir, Seb Tortue aussi mourir. He's dead. Ok, on a peu confiance, mais. La LCE, elle a la confiance qu'il va survivre, mais ouais. Selon les fans, selon nos experts, ils risquent de mourir en dans 10 secondes, rappelons-le. Je suis pas sûr qu'on va survivre là, du côté d'Alex. Du moins, s'il réussit, moi, je lève mon chapeau. J'en ai pas en ce moment sur la tête, mais je pourrais m'en trouver un. Un chapeau spirituel. Un chapeau spirituel qu'on va lui lever. Puis dans le pire des cas, on a juste à apaiser F dans le chat pour le respect. Ah ouais, mais là, présentement, ça regarde pas bien. Dans le chat, on n'a pas la foi. On a la foi en la poire, mais je pense que justement, Alex va recevoir toutes les poires en revenant de la pause. C'est ça. En pleine poire. On va voir ce qu'Alex va réussir à faire. Mais ça serait un coup de maître, je crois, si on réussit à gagner ce team fight-là. Ah oui, je vous avais pas dit. J'ai une nouvelle habilité sur mon shield. Je peux le régénérer au complet, puis je me heal en plus. Hein? Merci, bonsoir. Donc je crois qu'on Nasty Seg a réussi à se reconnecter à la game. Donc on va attendre son ready. Voilà, la pause qui va se défaire à l'instant. C'est reparti. Alex qui est en vie. 2, 3, on lance la charge.
Ça fait 10 secondes, il est encore en vie. Chat, vous aviez tort. Ah, il vient juste de mourir. C'était pas 10 secondes. Mais quand même, ils ont vécu plus longtemps qu'on l'avait calculé. Mais donc, les gaillards qui réussissent à débloquer ce point, on va récupérer le payload à l'instant, alors que le cégep de l'Outaouais va être forcé de se replier et d'organiser une défense. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil où est-ce qu'on veut réaliser la défense, et ce sera possiblement en high ground. J'essaie de voir ce que le Reinhardt essaie de où il tente de se placer. Voilà, ça va être en plein milieu de l'allée. On a le Earth Shatter qui est prêt à être lancé, LPS qui à son tour a son Rocket Barrage, et Dark Killer qui fait du gros travail pour son équipe, utilise les missiles à son avantage. Et voilà, on cherche à éliminer LPS. Du coup, Alex va tomber très rapidement. Et LPS, de son équipe, le seul ultimate prêt à être utilisé, va être forcé de se replier. Et on a un duel aérien qui se développe sous nos yeux. On décide de choisir de ne pas s'en occuper plutôt. Et voilà. Voilà ce qui arrive quand on perd de vue la Pharah adverse. On reçoit un rocket en pleine poire. Et donc, c'est Dark Killer qui remporte son duel aérien à l'instant. Le cégep de l'Outaouais forcé de se replier encore une fois. On va devoir... Très belle économie des ultimates du côté des rouges, donc pour l'offensive, ça va plutôt bien. Quoi, l'essence qui est utilisée. Et on va être éliminé instantanément par Dark Killer avec son utilisation du Rocket Barrage. Ici, on se retrouve en prison avec Brigitte. Et c'est Nasty Sec qui va réussir à éliminer Lilo en prison, là où il doit être. Wow. Et LPS ici qui est, je crois qu'il est fin seul de son équipe, réussit quand même à aller chercher énormément de dommages. Earth Shatter qui est utilisé, Rocket Barrage par la suite, Morgan Latte va survivre, et c'est Dark Killer qui va réussir l'élimination sur LPS. Rally qui est utilisé par Tomu, on progresse vers le point, on est très agressif du côté rouge ici, les gaillards sont en forme, et on va aller chercher le hook ici sur Team Dead, un beau tir par la suite pour compléter. Et on débloque ce deuxième checkpoint. On va pouvoir progresser. On va suivre un petit peu Dark Killer ici avec sa Pharah. On voit sur la liste des joueurs, tous les joueurs des gaillards sont en feu, sauf Alexandril qui ne doit tarder à avoir cette flamme s'allumer. LPS qui est choisi d'utiliser le Soldier pour l'instant pour contrer cette Pharah qui semble être problématique. Et donc, Dark Killer qui cherche un angle quelconque va trouver, rien trouver pour l'instant. Les missiles qui ne réussissent pas nécessairement à toucher leur cible en ce moment. Rally qui est utilisé encore une fois par, cette fois-ci c'est par Nasty Seg. Et Lilo qui utilise le Dead Eye va aller chercher un kill sur LPS. On fan de Hammer, Earth Shatter qui a été bloqué. Un second Shatter qui est utilisé. Rocket Barrage également, c'est l'ultimate. Le ultimate pour l'instant, on en a perdu deux joueurs du côté rouge et un seul du côté bleu. Et voilà, Joker Strike va tomber grâce à Dark Killer. Team Dead qui est encore en vie. Un beau headshot dans la porte de Lilo. Mais ce ne sera pas suffisant pour éliminer le Roadhog qui continue à se guérir, continue à vivre sur ce point. Et on y va pour le reset. Donc la défense qui est complètement cancellée. On doit se replier. Et on va devoir recommencer, trouver un nouvel angle d'attaque. Donc, le point qui ne bouge pas depuis une dizaine de secondes, ben, le monde reste en vie, les fêtes n'arrêtent jamais. Donc, de chaque bord. Qui a farmé son ultimate excessivement rapidement. Un beau flashbang ici sur Alex pour chercher quelque chose. On réussit à déloger grâce à Nasty Seg et le Lucio. Est-ce qu'on réussit la capture? Ce sera fait. Les gaillards qui réussissent. Grosse capture. Et donc, ce sera au cégep de l'Outaouais. On sort du lag dans le stream. Donc, ouais, je vous dis de refresh la page. Des fois, ça l'aide. Sinon, moi de mon bord, je lag pas, les gars. Ben oui, c'est ça. Mais non, c'est ça, frère. Checker, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que la belle action, on l'a ratée dans le chat. Ouais, malheureusement. Ça fonctionnait bien plus tôt dans la soirée. En tout cas, je crois. Donc,
peut-être juste des fois un petit refresh de la page qui aide à replacer. Mais ouais, ça se peut que ça soit de mon bord. J'ai quelques ferme tout. Mais pas. J'ai rien d'ouvert. Ferme tout. J'ai rien d'ouvert qui est pas nécessaire, mettons. On va dire ça de même. Alors, tout devrait. Ça devrait bien rouler. Il ne devrait pas avoir de problème. Théoriquement. Donc, voilà, c'est les gaillards qui réussissent à réaliser cette capture presque, ben, plutôt complète avec 40 secondes à faire. Donc, du côté du cégep de l'Outaouais, on va devoir réaliser cette capture ou mieux, mais pour poursuivre. Donc, on est parti ici. On a une Widowmaker, Dark Killer qui est prêt à faire les gros frags. On cherche la Pharah des yeux. Il n'y en a pas, spoiler, il n'y a pas de Pharah dans les cieux. Dark Killer, tu n'as pas à regarder vers le haut. On cherche ici quelque chose bien joué de la part de Alex qui le shield est bien levé, bien dans les airs. Donc, on cherche un angle d'attaque ici du côté du cégep de l'Outaouais. Ouh, la poire est proche. Excusez, le Diablo ne sait pas à quel point il a passé proche de recevoir une balle en pleine poire. Et voilà. Ouh, ça c'est un... Une belle combinaison qu'on voit ici entre Morgan Latte et Dark Killer. Donc on utilise le mini Graviton pour faire lever les joueurs. Et ensuite on cherche à utiliser le dommage de Dark Killer pour compléter le kill. Et voilà, on se trouve face à face. Reinhardt, Orisa. On a également, et voilà, Joker Strike qui va tomber. Dark Killer qui réussit finalement à attraper quelque chose. Et les kills sont généralement rouges en ce moment. On récupère Blue Seb également. Team Dead tout de même sur Nasty Seg. Et là, le cégep de l'Outaouais réussit une percée. Donc, on va se retrouver face à face ici avec Morgan Latte encore. Et Blue Seb qui, grâce à leur équipe. Et voilà, on finalement, Alex qui arrive de nulle part, réussit à éliminer Morgan Latte avec le Fire Strike. Et Blue Seb va tomber également. Le cégep de l'Outaouais réussit cette capture très, très, très rapide. On était beaucoup plus rapide qu'au premier checkpoint. Et là. Je regarde le stream du coin de l'œil également. Ça se il semble pas avoir de drop frame ou quoi que ce soit. Donc, je pense que le problème est fixe. Ou du moins, jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Et donc, on réussit cette capture très rapidement. Le payload est maintenant débloqué et on peut progresser avec ce payload. Est-ce qu'on va voir le upset ou on va réussir à conserver en fait, de gagner malgré la deuxième défaite? J'ai hâte de voir. Donc, là, présentement, on a des ultimates. Ça, ça voilà, assez... C'est du côté rouge qu'on utilise les ultimates. On a oh, le gros flingue dans la part de Lilo. On cherche un angle, mais on trouve peut-être le Tactical Visor, mais on n'a rien trouvé finalement. Mais on a une belle position ici de la part de Lilo. On a une belle vision sur la rue. Ah, je disais que. Ah. Une belle vision qu'on s'est fait punir, mais tout de même. Donc. Malheureusement, ça lag effectivement. Je vois le fight sur la gauche, malheureusement. Puis ça a quelques difficultés. Tactical Visor qui est utilisé ici. On cherche à éliminer la Mercy. Ça sera pas réalisé. Lilo qui, malheureusement, trouve aucune victime à son Tactical Visor. Et le cégep de l'Outaouais qui réussit à progresser. Encore une fois, ici, on est dans le dos à LPS. Et Lilo qui réussit pas. Aussi bien qu'on voudrait avec l'utilisation du Soldier. Et c'est le cégep de l'Outaouais qui est sur l'autoroute en ce moment. On a 3 minutes encore et on a énormément de temps. On rappelle que quand on complète le checkpoint, on a du temps supplémentaire également qui est ajouté. Et voilà, c'est parti. La mêlée sur le point. Dragon. Pardon, j'ai tellement oublié. Habitué qu'il y ait des Dragon Strike qui soient lancés en même temps que le Graviton. Donc le Graviton qui est utilisé. Et Morgan Latte avec le Wrecking Ball qui réussit tant bien que mal.
va finalement être éliminé, mais réussit tant bien que mal à ralentir le payload un petit peu. Et on a 3 minutes 57. On a débloqué ce deuxième checkpoint et on avance très très rapidement. On a 3 minutes 48 présentement pour se rendre sur le point. Donc on est bien, on a le temps de faire au moins 3 fights. Donc faut voir qu'on réussit à répliquer de façon assez décisive. Ouais, les gaillards qui tentent de trouver un angle quelconque, LPS qui a maintenant son Tactical Visor. Coalescence qui est utilisée du côté de Alex Avril. Dark Killer qui tombe en plein milieu de la mêlée. Et voilà, Tactical Visor qui est utilisé en ce moment. On va aller chercher un premier kill sur Blue Seb. On réussit à éliminer Dark Killer également. Et là, ça va être un gros déblocage pour l'autoroute. On se rapproche du point. 3 minutes à faire et ça serait très surprenant qu'on réussisse une défense du côté rouge. Et ce sera tout pour le round 2. On va avoir le troisième round qui va pouvoir se développer sous nos yeux. On a une grosse différence de temps par contre. On a une minute seulement du côté des Gaillards pour réussir une attaque. Alors qu'on en a 3 minutes complètes du côté du Cégep de l'Outaouais pour réaliser quoi que ce soit. Ça va être difficile du côté des Gaillards pour remporter ce match. Ouais, ça va être difficile. Les Gaillards étant... Là, je commence à me mélanger dans les noms, là. Jonquière du côté rouge. OK, donc les rouges... OK, les gars, ma balle. OK, donc ouais, du côté rouge, ça va être assez difficile parce que 1 minute ou 3 minutes 25, c'est assez stressant la différence. Est-ce que, par contre, on va demeurer chaud comme on était chaud en attaque tantôt? Du côté que notre défense va être aussi solide, ou le fait justement que là on était vraiment vraiment bien parti, peut-être que ça va changer. Je vois des choses un petit peu étranges du côté rouge, je sais pas si on va les conserver comme elles sont, mais on a la pharmacie chez le Cégep de l'Outaouais, on a également Brigitte, on a le Roadhog Team Dead qui a fait du gros travail en tant que Roadhog tantôt, donc les hooks qui pleuvaient d'un côté et de l'autre, faisaient du gros travail. Et on stick avec ça du côté rouge. Donc on a un Bastion, on a May également. Et on a Orisa. Un choix peut-être discutable quand on a seulement une minute pour avancer. Donc on se sera attendu. On verra bien. Et on choisit l'ouverture ici. Là. Lilo qui se met en turret form et tente de progresser. Mais voilà. J'ai l'impression que ça va être difficile d'avancer avec un Bastion. Je vois mal le choix du côté des Gaillards. Ok, on set up ici, on va aller chercher un premier kill. Excusez, Diablo qui va tomber. Alex également, c'est peut-être ça qu'on cherchait. Lilo qui va être forcé de se déplacer, de se deterrent form. On va aller chercher LPS. Est-ce que ils vont me faire ravaler mes mots? Je crois que... Oui, le dream! Le dream! On est sur le point, on est en train de capturer actuellement. Et on rappelle que en cas de extra time comme ça, on ne récupère pas de temps quand on capture les points, donc on va rester en overtime jusqu'à la fin du match. On va être obligé de placer le bastion, et je crois que c'était ça la stratégie. On voulait pouvoir placer le bastion sur le checkpoint, sur le payload comme ça, et placer les boucliers devant lui. Je crois que c'est ça qu'on va réaliser ici, et ça va être difficile à déplacer. Et voilà, Alex justement qui se trouve en plein dans la mission. Alex Avril également, Nasty 5 qui vont suivre. Et voilà, c'est parti. Configuration Tank, on va aller chercher un kill sur LPS. On doit... rester sur le des Gaillards si on veut réaliser quoi que ce soit. Et voilà, on récupère le turret mode en ce moment. Et on va être... Gros tour de la Diva et la Brigitte dans le back lane. C'est Diva qui dure depuis le début du fight. Donc ça se passe de ce côté-là. On va réussir à sortir Diva de son mec et Brigitte a fini par gagner. C'est Nasty Seg qui réussit à gagner son duel. Entre temps, on avait Dark Killer qui faisait également un duel contre le Roadhog. Et voilà, Lilo qui est bien placé ici avec son turret mode va réussir à éliminer le Roadhog qui était congelé. Et voilà, encore une fois, Alex qui est face à ce bastion. On tente le Earth Shatter, mais Morgan Laté va interrompre le Earth Shatter avec le Gravel Bomb. Nasty Seg qui va tomber. Un assassin dans le back lane.
Donc son équipe a fondu, mais lui a accumulé des kills, c'était peut-être pas la bonne décision à prendre. Et là on a un bateau gaillard qui progresse et on a de la difficulté à faire quoi que ce soit. Et tu sais, El Diablo qui va tomber ici, la Diva également qui est présente va être éliminée. Configuration Tank, mais ce sera trop peu, trop tard, on est éliminé en ce moment. Et est-ce que finalement le cégep de l'Outaouais va réussir cette défense? On est encore présent sur le point. L'overtime qui découle. Et voilà la porte qui réussit à ouvrir finalement. On n'a pas encore arrêté du côté des gaillards. On continue à avancer. Le bateau pirate qui a été vaincu. Mais Lilo qui reprend son poste tranquillement. Donc on est bien protégé. On a la Brigitte et on a également le bouclier de Orisa qui doit être placé à tous les quelques secondes. Mais voilà. Le bateau pirate qui avance. Et Lilo qui s'est trouvé à être très efficace. Alex qui va fondre littéralement. Joker Strike en Valkyrie qui reste en vie, surprenamment. Il était très bas, près d'en perdre la vie. Mais bon, on cherche un angle ici pour éliminer Joker Strike. C'est pas facile du côté de Lilo, les mouvements de la Mercy qui peuvent être un petit peu erratiques de temps en temps. Bon, Riptire qui s'en vient, on va réussir à le détruire grâce à Lilo. Il faut aller chercher et on sort le bastion à l'inverse. Mais est-ce que c'est suffisant? On a le Blizzard qui est placé de la part de Dark Killer. Le mur de mai aussi. Et voilà, on lance Lilo Configuration Tank. On est placé et on réussit l'autoroute jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. Et donc les gaillards qui réussissent malgré tout avec une minute de faire les 3 points, très bon travail. Donc on a réussi à, je crois que c'était une belle composition. Justement, de toute façon, on doit conserver un joueur sur le payload à tout moment. Donc l'utilisation du bastion à ce moment-là était justifiée. J'avais peur pour eux sur ce premier point, mais on a trouvé une façon de le faire fonctionner en attaque. Donc pour débloquer ce point, ça a été bien fait de leur part. Et maintenant, le cégep de l'Outaouais, on doit réaliser le même exploit en 3 minutes 25. Si on réussit, et c'est possible de le faire, je crois, si on réussit à compléter les 3 points avant même de toucher à l'overtime, ça pourrait être très différent. On doit tout de même réaliser cette même poussée, donc les 3 points en 3 minutes 25. On semble tenter la même stratégie. Ou du moins pour l'instant. On sort le Bastion, le Reinhardt. On n'avait pas de Reinhardt plutôt du côté des Gaillards. On avait une Diva qui remplissait le rôle du deuxième tank. Mais aussi, on n'avait pas les mêmes supports. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment on va le faire présentement. Et on a ici Dark Killer qui est sur la main. Qui, sans aucun doute, va utiliser le mur pour bloquer. Possiblement coincer le Reinhardt à l'extérieur de son équipe. Et pour l'instant, on a beaucoup de dommages qui est bien placé. Le mur de mai qui va bloquer le point visuel. Les Gravitons de la part de Morgan Latte qui vont chercher toujours énormément de joueurs qui nous permettent d'aller chercher un petit peu de dommages à chaque fois. Et bon, on a un Bastion ici qui était isolé de son équipe. Malheureusement, on n'a pas réagi assez rapidement. On a un bastion également du côté des rouges, du côté des gaillards. Les boucliers qui fondent justement face à ces bastions qui font énormément de dommages lorsque en turret mode. Justement, c'est le turret mode qu'on va prendre. Prioriser ici en utilisant également. Oh, Nasty Cell qui va aller chercher le premier kill. Morgan Latte qui va tomber. Coalescence qui est utilisé de la part des Xucil. Diablo, mais le Tank Fort ne sera pas suffisant. Excusez le Diablo qui réussit l'élimination sur Morgan Latte, mais qui est présent pour congeler le bastion. On ne réussira pas, malheureusement. On est toujours présent ici. Configuration Tank qui est utilisé de la part de Nasty Seg. On va être congelé, mais pas suffisamment pour Dark Killer qui va tomber. Self-Destruct qui est utilisé. La bulle de Winston qui est posée par-dessus. Et on réussit avec Alexandre ici qui va être éliminé. Et voilà, on lance, ce sera un bateau pirate également du côté du cégep de l'Outaouais. L'eau ici qui va être éliminée. Ouh, et là, headshot.
ça va être difficile pour les gaillards. On doit se trouver une façon de contrer ce bateau pirate. Donc on a ici, on voit le bastion qui est bien placé. On a notre Reinhardt face. Et on va avoir également Orisa qui va pouvoir rajouter un bouclier additionnel pour la protection du bastion. On pourrait même mettre un bouclier à l'arrière pour couvrir plusieurs plus d'angles. Mais pour l'instant, on y va de boucliers frontales qui sont bien placés. Et là, on a le bastion de Lilo qui est présent pour faire fondre ces boucliers qui protègent Nasty Seg. Et ici, le bouclier de Ursa qui était moins bien placé. Et pour l'instant, c'est tout simplement ça qui se passe. On a Transcendance qui est utilisé peut-être un petit peu tôt de la part de LPS. Mais voilà. Coalescence de Excusez le Diablo. Morgan Laté va tomber. Lilo, très bon vie, va être forcé de se déplacer. Mais pour l'instant, le bateau pirate continue d'avancer. On a encore du temps. On a 35 secondes du côté des bleus. Et qui va tomber. On utilise le Configuration Tank dans la part de Nasty Seg. Et on va aller chercher un premier kill sur Blue Seb. Un deuxième sur Tomu. Et Dark Killer qui va tomber également. On reprend tranquillement la place sur le payload. On retourne en turret form et on a Reinhardt bien placé devant pour bloquer toutes les attaques éventuelles. Donc, là présentement, on va bientôt arriver à l'heure de l'overtime. Donc, je me demande si on va être capable de capturer le dernier point et est-ce qu'on va prolonger le tout. Et les gaillards qui sont mal placés ici, on a été séparés avec le respawn. Donc, il y a des joueurs qui ont respawné tout juste à droite. Alors que qu'on a capturé le point mid-fight, on pourrait dire. Là, choix discutable de la part, on est allé ressusciter Lilo. Et ce qui a causé la perte des deux joueurs, malheureusement. Donc, on aurait peut-être dû à ce moment-là tout simplement attendre le respawn. Quand et voilà, les Dongo qui sont utilisés. Il faut absolument qu'ils se rendent. Oh, le Blizzard qui a été utilisé, malheureusement, peut-être mal placé. Ici, Bastion fait énormément de dommages du côté de Nasty Seg. On avance. On est presque rendu Configuration Tank de la part de Lilo qui est utilisé. On va aller chercher un premier kill sur Excusez le Diablo, mais on va tomber. On va être éliminé. Transcendance qui est utilisé par LPS également. Et on est très très proche. Tomu, le dernier de son équipe, Morgan Laté, est présent. Et c'est le dernier shuffle. On tente de rester sur le point. Et on réussit pour l'instant du côté des gaillards. Et on doit garder le point en... Oh, ok. Tomu qui réussit à y toucher tout Ouh là juste là à la dernière seconde. Ça l'arrête pas. Dark Killer qui, avec la Tracer, réussit tout, tant bien que mal à conserver ce point en vie. Ici, Morgan Laté avec le Wrecking Ball qui va tout simplement se balancer d'un côté et de l'autre. Et le Self-Destruct qui ne réussira pas à éliminer qui que ce soit. Ouf. Et Morgan Laté qui va finalement être éliminé par Nasty Seg. Blue Slab, le dernier de son équipe, Lilo, avec Sombra, qui est maintenant présent, va être éliminé également. Et ce payload va aller se garer tranquillement, finalement, jusqu'au bout. On est donc encore une fois à égalité. On se retrouve 6 à 6. On redonne une minute à chacune des équipes. Gros bastion match-up. Ouh là là. Et on semble y aller encore une fois pour le bastion rouge. Est-ce qu'on va essayer de changer la donne chez Quand le je disais que ça allait être tiré, je pensais pas que ça allait être tiré comme ça. Colin! Tu nous avais dit que ça allait être serré, tu l'avais prédit. Et ouais, puis c'est ça que j'espérais, mais il a serré puis serré. Là. Come on, guys! Let's go! Bastion, là. Des deux bords, on a sorti nos meilleurs bastions. Ah oui, c'est définitivement. L'arme secrète qui est sortie. Lilo et Nasty Seg qui sont là depuis le début. Et là, du côté rouge, on y va avec un Lucio. Je crois qu'on va peut-être essayer de surprendre l'équipe adverse avec le Speed Boost. Mais. Donc, on a le bastion de chacun des côtés. LPS qui. On essaie des petits changements de chacun des côtés. Donc, on veut peut-être prendre l'équipe adverse de court en faisant ces petits changements-là. Donc, LPS qui va utiliser son bras pour l'instant. Alors que Dark Killer, lui, va être sur le Lucio. Donc, d'un côté, on va essayer de hack peut-être le bastion. Et du côté des gaillons, on va essayer d'aller le plus rapidement possible se déplacer pour prendre un point avantageux. Donc pour l'instant, ça se passe du côté du cégep de l'Outaouais en défense. Et voilà, les pieds qui sont placés. Et on passe rapidement, justement, je le mentionnais, l'utilisation du speed boost pour passer le choke point.
où est-il ce LPS? Donc on poursuit l'équipe adverse, on est très bas en vie, on utilise le recall pour retourner chercher le health pack. Et voilà, justement LPS qui va servir à possiblement hack l'équipe adverse. On va aller chercher la Mercy pour l'instant, mais tellement bas en vie, on a oublié de déposer le recall par contre. Et donc LPS va tomber grâce à Dark Killer. On récupère Morgan Laté du côté des rouges. Et Tomu fait beaucoup de dommages. Les joueurs du côté bleu sont très en vie. On perd Excel, Diablo, on perd un des deux supports. Et on voit les points de vie descendre rapidement. Tomu, Lilo également. On va chercher les kills suffisants. Joker Strike, le dernier de son équipe, va finalement être éliminé. Et on va assister encore une fois à la formation d'un bateau pirate chez les Gaillards. On va pouvoir se poser sur le payload et partir à l'offensive. Voilà, c'est parti. On va pouvoir se placer bien comme il faut. Et je tiens à dire que dans la prochaine patch, on va buff. On va buff le bastion. Ok. Donc je vois des nerfs bastions dans le chat là. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est le recon mode qui va être buffé. Donc pour l'instant, on poivre l'équipe adverse de balles avec Nasty Seg. La coalescence qui est utilisée de Exusil Diablo. Et Lilo qui utilise le Configuration Tank. Nasty Seg très bon en vie. On lève le bouclier finalement. Configuration Tank qui est utilisé également. Premier kill de la part de Lilo sur LPS. On utilise le Rocket Jump pour détruire le Rip Tire. Bien joué. Mais on ira chercher rien de plus de la part de Nasty Seg. On retourne en turret form. Et on se retrouve face à face avec Lilo. Earth Shatter de la part de Blue Seb. Et Earth Shatter à l'inverse de la part de Alex qui va tomber. LPS qui est très très loin. Il va utiliser le Riptire peut-être en vain. Mais on va quand même chercher à faire quelque chose. Oh, on a manqué l'ascenseur malheureusement. Et on va être éliminé grâce à Morgan Laté qui était à l'affût. On réussit à aller chercher ce Riptire. Et voilà, l'équipe des Bleus qui cherche à progresser. On a cette petite ouverture à traverser. Et voilà, on réussit à débloquer ce checkpoint. Bon, ça va être un fight qui va être difficile ici. De la part des cégep de l'Outaouais, on doit se replier. Tomu qui va aller chercher Joker Strike. Une belle élimination ici. On retire la Mercy du jeu pour l'instant. Et donc justement, on voit le repli du côté du cégep de l'Outaouais. On va devoir tenter de former une défense quelque part. Fire Strike qui va traverser les boucliers. Nasty Seg qui est présent avec Alex devant lui. Team Dead également présent devant lui. Et Tomu va aller chercher le premier kill ici. Et Lilo est parti. Configuration Tank. On va aller chercher deux kills. Nasty Seg et Alex qui vont tomber. Troisième kill sur Joker Strike. On est très précis avec l'utilisation de ce ultimate. Et on doit absolument bloquer le payload LPS qui tente quelque chose. Va être éliminé. Et les bongos qui sont utilisés. On voit Team Dead. Oh, qui va être balancé dans la stratosphère avec Tomu. 9 à 6. Donc, est-ce qu'on va voir un 9-9 ou on va voir une victoire du 9 versus 7, 8 peut-être? C'est ce qu'on va voir là. On doit se consulter, je crois, du côté des Gaillards. On sait sans aucun doute ce que le cégep de l'Outaouais va tenter de réaliser. On sait absolument. On sait qu'on va sortir le bastion. On sait que ça va être Orisa. On sait que ça va être Reinhardt. Du côté des Gaillards, on doit trouver quelque chose pour empêcher tout simplement que le bastion aille se poser sur le payload. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé aucune réponse d'aucune des équipes. Donc le bateau pirate, une fois qu'il était débloqué, ça se produisait jusqu'au bout. Donc pour l'instant, du côté des bleus, on a éliminé la Orisa. On y va plutôt avec la Zarya. On va voir si ça va porter ses fruits. Alors qu'on a exactement la même composition du côté rouge. On a Dark Killer qui est maintenant sur Brigitte. Donc la seule différence, je ne sais pas si on va utiliser la Brigitte peut-être pour stun le bastion. C'est peut-être là qu'on va trouver la petite ouverture sur le bateau pirate. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on va voir, comment ça va se dérouler. On a l'équipe des Bleus qui va progresser. On est revenu, excusez le Diablo, est revenu sur la Orisa entre-temps. Et voilà, on va traverser le choke point ici. Et on va chercher
à attaquer l'équipe adverse. On est bien placé sur le high ground de la part des rouges. Voilà, on doit traverser les boucliers. Le bouclier du Reiner qui va tomber. LPS qui va être le premier à tomber. Lilo également qui va aller chercher Nasty Seg. Donc le bastion des bleus est maintenant éliminé. On récupère LPS tout de même. Lilo qui va aller chercher Excusez le Diablo également. Donc Lilo qui réussit toutes les éliminations jusqu'à maintenant. Excusez le Diablo, le dernier à tomber de son équipe. Oh, le gros pin ici de la part de Blue Seb sur Alex. Également sur, pardon, le pin était sur Team Dead, mais on a réussi à éliminer Alex également. Lilo qui était bien placé. Et voilà. Ta 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 ta. Donc ce match qui se termine 9 à 6 pour les Gaillards. C'est Nasty Seb qui va aller chercher le play of the game. Si on poursuit Dark Killer avec la Brigitte. Et c'est tout simplement en plein dans la mêlée, les coups de flail d'un côté et de l'autre. On a utilisé la majorité de nos habiletés. Donc, good job! Voilà, Nasty Seg avec sa Brigitte qui a fait un gros travail. Un travail d'assassin. Bien joué dans le backline, on a bien fait ça. Donc, grosse victoire, on peut dire 9 à 6. Très bel affrontement. Good job pour les deux équipes. Merci beaucoup pour ce beau jeu. La livraison du beau jeu était là. Les poires ont été livrées aussi. Tout s'est bien passé. Et c'est donc les Gaillards qui remportent 2 à 1. Pardon, j'allais dire 2 à 3. 2 à 1 par-dessus le cégep de l'Outaouais, CS Echo, qui tombe au bas du classement, malheureusement. Mais c'était une belle lutte, bien discutée, bien disputée, plutôt. On a discuté, nous avons discuté de cette lutte qui a été bien disputée. Ouais. Oui. Non... Hold that. Hold it. Ouais. Donc, voilà, bien joué de la part des Gaillards. Le cégep de l'Outaouais qui n'était pas loin derrière, donc qui ont très bien travaillé également. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce soir pour le Overwatch. Je vous rappelle que demain soir, il y aura du Rocket League pour ma fête, apparemment. Mais donc 19h demain soir pour le prochain match, ce sera du Rocket League. Sinon, de notre côté, du côté d'Overwatch, on se revoit lundi prochain pour les écoles secondaires qui vont s'affronter. Donc, suite à ça, moi, je vous remercie énormément d'avoir été présent. On était dans le autour du 50 quelques viewers toute la soirée. Merci beaucoup à vous à la maison. Et sinon, je vais te laisser Soussou dire un petit mot de la fin. Merci à tout le monde d'avoir été dans le chat, de l'avoir animé. C'était pas nécessairement toujours pertinent, mais mieux vaut avoir un chat live. Merci, guys, d'avoir veillé sur le love que j'ai pu voir dans le chat. Donc, on a réussi à justement animer ça le plus possible. Merci à la communauté de supporter le Overwatch et le eSports en général au Québec. On a besoin de cet amour-là pour faire des plus gros projets. Donc, merci encore tout le monde pour votre participation. Ce serait pas aussi le fun sans vous. Oh, c'est tellement gentil de ta part. Bon. Merci les viewers. Et merci à toi, Soussou, d'avoir été là ce soir. Toujours. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi, et je vous souhaite une très, très belle soirée. Moi, je vais probablement continuer à jouer à Overwatch ce soir. Donc, sur ce, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde.